Bonjour à tous, bienvenue dans ce Wigmaster Live numéro 7. C'est sympa de vous retrouver à nouveau, euh, comme on le fait deux fois par semaine, là depuis 7 euh, numéros. Euh, merci d'être là, de nous accueillir chez vous. Bienvenue ici à la maison euh, à Lyon et on va retrouver euh, Jérôme qui, lui, mmh. se trouve euh, quelque part en Isère, pas loin de Grenoble. Hello Jérôme, ça va Salut Seb, salut à tous, hein. c'est carrément une série, 7 hein, épisodes C'est pas mal, on va bientôt bien. battre euh, Wingmaster, 21 épisodes ouais. dans Wingmaster, la 7 euh, c'est bien Comment ça se passe pour toi Eh bien bien, toujours euh, en montagne, il fait super beau donc on a envie d'aller euh, gambader quoi Ouais et puis <laughs> t'es pas tout seul, hein, on entend qu'il y en a un qui a envie oui, de gambader oui, aussi derrière Ah ben ouais c'est l'heure où il revient de la balade, où il a bloc quoi Bon, très bien, il va, il va pouvoir nous donner quelques conseils aussi. Tu l'as déjà un petit peu euh, entraîné sous la voile ou euh, pas encore Il est briefé, il est briefé. Il est briefé est pas à ça. son rythme. Bon, Jérôme, on va parler euh, dans ce Facebook Live euh, du matériel. Il y a pas mal de choses euh, à aborder. On a reçu plein de questions là et je pense que ça va en susciter encore euh, plein d'autres aujourd'hui. On va parler de l'homologation dans l'ordre euh, et puis ensuite, après, on parlera de la voile, de la scellette, du choix. Euh, il, y a plein de, il y a plein de thématiques à aborder. Hein. Tout à fait. Le, le, le grand thème principal, c'était comment choisir son matériel, donc voile, céleste, secours, par exemple. Mais pour, pour les, dans les critères de choix, il y a beaucoup de questions qui sont revenues sur l'homologation. Donc, on commencera par l'homologation EN, et pour vous permettre de comprendre un peu ce que c'est l'homologation, et si c'est un critère de choix important ou pas, quoi. Parce que là, le, en ce moment, on choisit beaucoup les voiles en fonction de l'homologation, mais c'est peut-être pas. Le le, le le facteur le plus important c'est un facteur et on parlera aussi puisque c'était dans les questions sur le 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 vieillissement des voiles leur utilisation et donc la révision des voiles quoi. Donc plein, plein de trucs à raconter, ça va passer vite. Quoi. On va, ouais, ça va passer vite. Il y a beaucoup de questions. On a des bonjours de toute la France une fois de plus, des bonjours de la Réunion, des bonjours euh, des Alpes, des Hautes-Alpes, <laughs> des Basses-Alpes. Salut euh, Dancy. Euh, euh, voilà, on va pas faire la liste là. Tout à, tout apparaît en, dans les commentaires. C'est sympa. Salut à, à René. Ouais, on fait concurrence à TF1 carrément, nous dit euh, michael C'est sûr. Euh, on vous voit tellement souvent maintenant qu'on a l'impression d'être confiné avec vous. Euh. Voilà. Exactement. <laughs> non, heureusement, vous n'avez pas pas l'odeur déjà hein, du confinement et puis on est chiant quoi à force je pense ouais, hein. euh, ouais. et alors euh, aujourd'hui comme à chaque fois on a des petits partenariats dont on va vous faire part dans ce dans ce Facebook live Chaussures Online qui nous suit depuis déjà trois numéros. N'oubliez pas, vous avez un code de réduction sur chaussuresonline.com, une entreprise au Savoyard. Euh, plutôt que d'aller donner de l'argent à des grosses boîtes américaines, ben vous pouvez commander vos chaussures pour les enfants, notamment qui ont besoin de, de, de changer de chaussures. Là, les pieds grandissent. Donc 10% de réduction sur la nouvelle collection avec le code WING. Tout ça, c'est pour vous. Et puis, on a René du site Rocks Outdoor. Vous pouvez aller sur son site. Il y a plein d'infos, plein de conseils. Il y a des analyses techniques. De de Jérôme, et en ce moment il y a 5% de réduction sur deux livres, euh, deux super livres. Jérôme, tu les connais bien ces livres? Un petit mot sur, ouais, le, sur les deux. Bouquin, le, ouais. Les visiteurs du ciel, c'est la référence en tout ce qui est aérologie et euh, météo. Ça y date, mais ils ont refait une, ré, une réédition, donc c'est super. Et puis l'autre, je, je, je vois même pas, euh, j'ai pas vu, j'arrive pas à voir euh, sur l'image ce que c'est. Euh, c'est gérer les risques en parapente. Ah oui, aussi, ça très bien, c'est des, des bas. Ça permet de... Maintenant, on arrive à poser les choses dans plein de domaines, météo, hérologie, mentale et tout. Donc euh, ça permet de, de gonfler le, le, le cycle connaissance qui est indispensable avec les bouquins. Euh, voilà, c'est bien, c'est la théorie. La ouais. euh, voilà, c'est ça, c'est super bien. Et aujourd'hui, vous avez cette réduction avec le code WING 5 sur Rocks Outdoor et on vous fait gagner un exemplaire des visiteurs du ciel parmi tous les commentaires et toutes les questions qu'on recevra ce soir. Avec tous les petits bonjours que vous nous avez donné, on tire une personne au sort euh, à la fin du live et quelqu'un repartira avec les visiteurs du ciel. Enfin il repartira pas, on lui enverra, hein. c'est pas la peine de venir le chercher. Euh, et puis également on a cette paire de lunettes avec des modèles en promo sur rocsautdoor.com euh, avec des modèles en promo à 15% et la paire de lunettes on vous la fera gagner la prochaine fois donc merci à René du site roxoutdoor.com de mm -hmm. nous offrir ces petits lots euh, pour pour euh, voilà vous remercier de, de nous suivre et puis pour aller voir euh, aller voir son site euh, et puis avant de commencer, un petit coucou également euh, à RS Escapade, à Marie euh, Géraud. Euh, RS c'est une agence de voyage spécialisée en aéronautique euh, qui a été créée par une équipe de passionnés qui volent euh, presque tous, qui travaillent avec euh, des pilotes autonomes qui souhaitent être guidés pour voyager euh, serein et donc euh, qui travaillent aussi avec les clubs les associations pour organiser la logistique de leur voyage. Euh, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site rscapade.com. Marie m'a envoyé un petit message tout à l'heure pour me dire qu'il restait de la place en du 12 au 19 septembre je pense qu'on sera sorti de chez nous il reste également du 31 octobre au 7 novembre, 4 places pour l'Andalousie et en Argentine pour décembre, pour l'instant pas de date précise donc n'hésitez pas à aller sur le site rskpad.com et il y a un, un mail sinon info at en tout cas il y a plein de propositions de voyages fort sympathiques pour changer des destinations hexagonales. Jérôme euh, voilà pour nos partenaires, c'est cool hein, d'avoir tous ces partenaires euh, ouais, avec nous qui nous suivent euh, sur, sur ce live, un petit coucou donc à nouveau à tous les gens qui nous suivent euh, et merci d'être d'être fidèle au rendez-vous. Vous pouvez nous voir en live et évidemment en rediffusion, euh, en replay autant de fois que vous le souhaitez. N'hésitez pas à partager le lien. Euh, Jérôme, on rentre dans le vif du sujet. Parlons euh, du matériel donc ce soir et parlons pour commencer de l'homologation, l'homologation d'une voile. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une homologation Comment ça fonctionne euh, J'ai peut-être même euh, une question si tu veux que euh, pour commencer ou tu veux nous parler de l'homologation oui. directement. On, ben on... on peut on peut parler de l'homologation directement en fait déjà définir un peu ce que ce que c'est mais rapidement vous connaissez tous la norme EN ENA ENB ENC END puis CCC pour le, les, les compétitions à haut niveau euh, donc on, on peut se servir de ça, ça ça permet de donner un repère en fait sur le sur les voiles alors c'est il faut redéfinir ce qui est bien la norme. Euh, sur les tests en vol, tous les tests sont faits en air calme et l'objectif de la norme, c'est de pouvoir reproduire toujours les mêmes manœuvres pour qu'on puisse comparer le comportement de la voile après une manœuvre en fonction d'un tableau de critères de comportement. Un exemple, on va prendre toutes les voiles dans, dans, en, pour un test en vol par exemple et on va faire... Exactement la même fermeture frontale pour tous les modèles et, et on va regarder le comportement de la voile sans action de pilote et du comportement de la voile on va en définir selon l'abatté, la bascule arrière, la rotation etc. Le temps qu'elle met pour revenir en vol, c'est là où va être définie la note ENA, ENB, ENC, END. Pour donner aussi qu'est-ce que ça veut dire ENA, ENB, ENC, END, ça veut dire en gros que tout quand on est vers le ENA ça veut dire que le côté autodémerdant entre guillemets de la voile est très important et le et au maximum et que le niveau d'exigence du pilote est au minimum et que plus on va monter vers le ENC END plus l'exigence de la voile plus le comportement de la voile sera vif et plus, plus le côté, pour reprendre les mêmes mots du début, plus le côté autodémerdant de la voile soit... sera faible et plus l'exigence du pilote sera élevée. Voilà, voilà en gros comment c'est. Donc il y a les tests en vol, il y a les tests structure aussi pour voir si la voile qui arrive sur le marché est assez solide. Donc il y a un test au choc, il y a un test de montée en charge et les tests en vol, il y a environ une vingtaine de tests. Ce qu'il faut savoir pour ces tests, c'est que maintenant on va dire que 95% des voiles euh, sur le marché dans le monde sont homologuées. Euh, il existe des voiles qui ne sont pas homologuées, ne serait-ce que pour une marque au niveau des modèles s'ils sont tout petits euh, ou, le, ou, le, ou le, le volume de vente est très faible. Des fois, il y a des, des, des tailles qui ne sont pas homologuées. Euh, voilà, ça c'est vraiment la norme. C'est comme ça qu'on la définit. Donc, c'est ça peut être un critère de choix ou au moins un critère de pour catégoriser les, les voiles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour une marque, par exemple, on peut avoir deux voiles ENA dans dans la gamme. On peut avoir deux voiles ENB, une voile ENC, une voile END. On a un biplace qui est normalement quoi la plupart du temps homologué en B. Euh, voilà, pour vous donner un petit peu une idée, puis on va voir en, au fur et à mesure, en fonction des questions, comment on se sert de ça, comment on, on lit la norme, puisqu'il faudra faire une grosse différence entre les critères de la norme, les notes, ENA jusqu'à END, et les tests qu'on fait en usine, quand on travaille pour une marque, quand on, quand on met en place, euh, quand on met au point une voile, quand on la teste, on ne fait pas du tout les mêmes tests en fait puisque là, ça va être des tests qui seront beaucoup plus comparatifs dans de l'aérologie turbulente. On va voir comment on ressent la voile, ça sera beaucoup plus subjectif. Et le but de la norme, c'est d'essayer de la rendre la moins subjective possible en faisant toujours pareil. Donc on, on s'éloigne des conditions réelles du comportement de la voile. Mais ça donne, ça donne un critère. Et Jean-Pierre nous demande déjà, euh, Jérôme, euh, mmh. est-ce est que ce sont des normes de performance ou des normes de sécurité non non ce sont ce, euh, la norme N c'est euh, ça serait plutôt orienté vers la sécurité mais c'est plutôt euh, de donner une note au comportement de la voile après une manœuvre. Après 20 manœuvres définies, on définit, on regarde, c'est même pas qu'on définit, on regarde le comportement de la voile et selon les critères de son comportement, on lui adresse une note. Donc s'il y a 20 tests, par exemple pour une voile école, s'il y a 20 tests, ils doivent être tous ENA pour que la voile soit A. Si dans les 21 tests, il y a une note en B, la note globale sera B. C'est pour ça que pour une, une voile B, par exemple, on peut avoir 20 tests en B ou un seul test en B. Jérôme, explique-nous la différence. Toi qui as été euh, pilote euh, de, de test pour la norme N, mais tu as également été pilote euh, test pour une grande marque de parapente. C'est quoi la différence euh, d'être pilote test pour la norme et pilote de test pour une marque Qu que, 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 Quels sont les Alors, tests que l'on là... fait, les essais que l'on fait la, la grosse différence, c'est que sur euh, les normes, euh, pendant les tests en vol de la norme EN, le but, c'est qu'il n'y ait pas d'action de pilote. Essayez de faire toujours le même protocole de manœuvre. Par exemple, quand on fait une fermeture frontale ou asymétrique, on ne tient pas les commandes. Et on, vous allez voir quelques images. On fait, on met des scotches sur la voile pour que on puisse. Les, les, les tests sont filmés de l'extérieur. Pour, qu pour que quelqu'un de l'extérieur puisse comprendre exactement ce qui est fait. La fermeture frontale à 40% de la corde, donc on met un scotch à 40% de la corde, et quand la fermeture a eu lieu, on ne doit plus voir le scotch. C'est qu'on a bien... Euh, on, on a bien suivi le protocole on a bien euh, fait exactement ce qu'il fallait faire pour qu'on puisse reproduire la manœuvre en fait, c'est pas des manœuvres comme ça faites n'importe comment ou au bon vouloir du pilote c'est que le pilote doit faire exactement la manœuvre euh, sur un, selon un cahier des charges face caméra, profil caméra et on va regarder par exemple la bascule arrière on va regarder l'abatté euh, la manière dont elle se réouvre tout ça va être euh, noté et de la note, en, on définira la, la note globale, la lettre A, B, C ou D. Et donc et la pilote, différence, oui, voilà, par oui. rapport aux pilotes de, de et, qui travaillent pour une marque. Le pilote et, pilote, et quand on est voilà pilote d'essai ou pilote usine, on dit là on, on, on vole avec des prototypes, on vole pas du tout avec des voiles finies. Elles, elles seront ensuite produits finis. Et euh, on, on vérifie le comportement de la voile. Là, c'est plus subjectif parce qu'on fait beaucoup d'actions pilotes. Donc, on va faire, on va aller dans des voler dans des conditions fortes. On va comparer avec plusieurs prototypes pour voir s'il y en a un qui est, qui, est plus, qui a un meilleur rendement, par exemple, ou, ou un prototype sous lequel on est plus serein. Euh, et c'est pour ça que quand on vole avec les voiles en, 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 en pilote d'essai en marque, il faut qu'on se mette euh, à la place du pilote. Euh, qui va voler avec cette voile, qu'on se mette à. Euh, pour qui le public, euh, à quel public c'est est, est adressée cette voile. Donc il faut qu'on se mette dans la peau. Euh, donc on va faire des gonflages un peu n'importe comment, on va voler dans les conditions fortes sans rien faire, etc. pour essayer de, de voir si la voile correspond un peu au, au, comp au comportement ou au moins euh, à l'idée qu'on s'en fait au côté subjectif, au caractère de la voile. Donc c'est un petit peu différent. Et bien sûr, à un moment, quand on arrive au produit fini pour une marque, pour un modèle, une taille, on va vérifier le comportement ou on va vérifier les manœuvres. On va faire un peu les manœuvres qui seront faites plus tard euh, pour la norme en fait. Donc là, on va, on va se remettre dans la peau du pilote. On va faire une fermeture à 50% sans actionner les commandes, etc. pour voir si, ça, si ensuite ça va rentrer dans le cahier des charges de la norme. Donc c'est deux choses différentes. Merci Jérôme, on a déjà... Et, et, oui, oui, et, et, si la différence, c'est oui. qu'en pilote usine, on vole beaucoup, on vole très longtemps avec les prototypes. Il y a au moins un an de vol avec un prototype, alors que pour la norme N, on vérifie en gros en trois vols si, la, si le modèle et la taille passent dans, dans le dans le, dans le cahier des charges de la norme ENA, ENB. Donc, pas du tout. on passe beaucoup de temps en, dans une marque, pour une marque, euh, à voler sous les prototypes et tout. On les connaît bien, on va beaucoup plus loin sur les prototypes que ce n'est pas du tout l'objectif de la norme EN. La norme EN est juste là pour vérifier le comportement à l'instant T avant que ça rentre sur le marché, sur un produit fini. Alors justement, en parlant de la norme EN, on a une question pour toi, Jérôme. Donc, quelle est la différence entre l'homologation DHV et l'homologation EN Et c'est Ulysse qui te pose cette question. Voilà, donc c'est vrai, on ne dit pas DHV, quoi, on dit, c'est en lien avec le DHV, la fédération allemande, mais on parle de LTF. C'est-à-dire, vous pouvez voir des homologations de voile, c'est marqué EN slash LTF. C'est deux critères de, de test. On va dire dans la... Le, 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 la norme EN, en fait, ça va réunir énormément de, de, de marques et de pays, etc., pour, qui sont d'accord pour la norme EN. Mais il y a euh, l'Allemagne et l'Autriche, qui ces deux pays font aussi la norme EN, mais rajoutent ou font des trucs, des tests un petit peu différents. Ils appellent ça la norme LTF. Donc, pour qu'un produit soit vendu en Allemagne, par exemple, ou en Autriche, il faut qu'il ait la norme LTF. Donc, il aura la norme EN. Ça, ça vous pouvez, ils peuvent être vendus dans tous les pays, mais pour l'Allemagne la, la, et l'Autriche, euh, il faut qu'il y ait la, un petit plus, quoi, un petit plus ou un petit truc différent euh, amené par le, le pays qui, qui s'appelle le LTF, quoi, des manœuvres un petit peu différentes. Ils ramènent leur truc, quoi. Voilà. Mais vous, voilà. Y a, je, après, c'était juste pour répondre à la question. Ok, Jérôme. Donc, euh, le, Donc pour, le... pour, oui. oui, pour, pour finir, c'est que pour un pilote, ça change pas, ça change pas grand-chose. Hein entre la norme EN si elle est EN A et ou EN A LTFA voilà ça va pas changer grand chose pour le pilote quoi. Ok, merci Jérôme. On a euh, des questions, on a aussi des vidéos, puisqu'on parlait de normes euh, pour montrer les, les, les essais en vol. Euh, comment ça se passe Le temps de caler ça, je te pose une autre petite question euh, parce qu'on en a pas mal ce soir. Oui. Euh, une question de Laurent qui dit « Pourquoi l'allongement ne fait-il toujours pas partie des critères d'homologation Sachant que nous savons tous qu'il était un des critères majeurs d'exigence de pilotage, notamment aucun incident de vol. Par exemple, les voiles c' CIR sont des B- Jusqu'à l'allongement 6 voire plus aujourd'hui. Et s'il y a donc un glissement vers le haut des homologations, tout est décalé vers la performance et l'aspect sécurité passive. Et c'est de mon point de vue trop négligé par les Ah non, et l'aspect sécurité passive est de mon point de vue trop négligé par les constructeurs. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler déjà l'allongement, oui. est, qu est, quel est le, le alors... en quoi il influe sur la, 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 la performance de la voile? Alors, plus la voile est allongée, c'est-à-dire plus, plus elle va être fine avec une corde étroite, plus on va avoir de la performance. Hein. Je, je fais un, un, une, un résumé très rapide. Donc, c'est vrai que quand vous regardez les voiles, par exemple ENA, vous allez, vous allez avoir des voiles en homologation ENA jusqu'à 4-5, presque 5 d'allongement. Au-delà de 5, on va, être, on va être dans des ENB, etc. Et c'est vrai qu'à partir de... 5, 8, à partir de 6, on est dans du C, à 7, on est dans du ND, c'est des trucs qu'on arrive à retrouver. Alors pourquoi on... Donc ça, c'est une question, c est, c est, il faut reprendre, le, on va dire, l'objectif de la norme. C'est-à-dire que si on dit que toutes les voiles au-delà de 5 d'allongement, elles ne peuvent être que B, ça bloque l'évolution. Et dans, et dans la phrase, Laurent, tu le dis bien, c'est-à-dire qu'on voit que... Euh, les allongements ont augmenté tout en restant dans des catégories d'homologation des catégories plus, plus faibles. C'est-à-dire, globalement, puisque c'est un critère de vente et c'est une norme, en fait, petit à petit, on va avoir euh, des voiles de plus en plus performantes dans les catégories inférieures. Ça, c'est une évolution. Mais la norme permet justement de voir le comportement de l'aile et de les comparer, de garder une sécurité passive, autodémerdante. Mais c'est vrai que les voiles, par exemple, on prend une ENA maintenant, elle a énormément plus de performance qu'une ENA il y a 10 ans. Il y a une grosse différence de performance, mais en gardant toujours les normes UNA qui sont toujours la même, en fait, depuis dix ans, ce qui fait que, on va dire que le comportement de la voile au niveau sécurité passive reste le même. C'est pour ne pas bloquer l'évolution, la conception, etc., que c'est pas arrêté au niveau géométrique, on va dire. Avant de poursuivre sur les questions, on en a quelques-unes sur le live. Jérôme, je te propose de. Tu nous as préparé oui. quelques, quelques vidéos pour nous montrer justement comment on réalisait les tests de, de, de la norme. Est-ce que tu peux nous D'accord. Donc nous là, sur, vous allez voir sur ces vidéos, des petites séquences de vidéos très courtes, c'est la norme EN avec Air Turquoise à l'Insolaire en Suisse. Il y a plusieurs laboratoires de tests. Il y en a en Allemagne, il y en a en France, il y en a en Suisse. Là, c'est Air Turquoise en Suisse. On voit bien la voile avec des Scotch, donc tout, toute la ligne de scotch qui est dans la longueur, dans l'envergure, permet de voir la frontale, on va la voir tout de suite. Donc on tire, les, on relâche, voilà, et le, on voit bien que le pilote n'a pas les commandes en main, et le, lui va dire ce qu'il vit, et c'est filmé de l'extérieur aussi pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Maintenant on va voir, euh, euh, une, voilà, donc on peut voir, peut-être tu peux en repasser une autre qui suit. Il y avait le décrochage donc, complet. Voilà, il y a le décrochage complet. Dans euh, deux petites bah, il, secondes, il, est passé. Ah oui, il arrive, petites... il arrive, il arrive. Super. Le décrochage complet. On va regarder. Donc on freine à fond, la voile bascule derrière. Donc la bascule arrière est notée. Ensuite, il y a reconstruction de la voile. Il faut que la voile, on va le voir là en caméra embarquée. Il y a reconstruction de la voile dans toute l'envergure. Et quand la voile est reconstruite, le pilote relâche. Donc là, il est en full stall complet. Il va relâcher les mains. La voile se reconstruit dans l'envergure. Elle ne vole pas encore. Et hop, il se remet bras haut. Et c'est filmé de l'extérieur. Tout ça est enregistré puisque ça va faire partie du, du, du scellé. La, la voile est scellée avec euh, la, la, les vidéos enregistrées et tout, puisque ça va faire partie de la voile, du comportement. Tout ça euh, fait, fait, fait partie de la référence du modèle. Par exemple, sur le, sur le décrochage qu'on vient de voir, qu'est-ce qui fait que ça va déterminer si une voile A, B ou C, par exemple Alors, euh, plusieurs critères. Il y a. Euh, au moment du décrochage, on sent une bascule arrière. Si la bascule arrière est faible, on sera plutôt A, mais elle peut être très forte, c'est-à-dire avec un gros déséquilibre vers l'arrière du pilote. Ensuite, il y a la reconstruction de la voile. Et il va y avoir ensuite, quand il va se remettre bravo, le pilote. Comment réagit la voile Est-ce qu'elle repart avec une abattée profonde, c'est-à-dire qui va loin Est-ce qu'après l'abattée, il y a une fermeture gérée seule ou pas Voilà, c'est ça qui vont, qu vont déterminer si c'est ENA, UNB, EN Ça va être la profondeur de l'abattée. En Et, général... chaque... Et en fait, à chaque manœuvre, c'est ça, ça c'est la, f... la forme de la manœuvre, qui, la façon dont réagit la voile, qui détermine le classement. Exactement. Alors, a... c'est pour ça que ENB, euh, ENA, ENB, ENC, normalement, il n'y a pas, il ne doit pas y avoir d'action pilote. Et à partir de END. Il peut y avoir une action pilote après une première manœuvre, mais la, la, pour gérer, par exemple, en, en spirale engagée, si la voile reste en neutralité spirale, c'est possible hein, pour la norme N, c'est-à-dire qu'elle reste en spirale alors qu'on est bravo, c'est accepté pour une END. Pour sortir, il faut que l'action du pilote soit simple. Par exemple, un coup de frein à l'extérieur doit permettre de sortir euh, de la manœuvre. Donc, pour une END, on accepte l'action la, du pilote. L'action du pilote doit être unique, simple, c'est-à-dire que si l'action du pilote engendre d'autres euh, incidents de vol, d'autres fermetures et tout, c'est ce qu'on appelle une cascade d'incidents. Et si sur une voile, il y a une cascade d'incidents après une manœuvre simple du pilote, la voile est éliminée, hein, elle n'est pas acceptée dans la norme. Hein. Voilà, c'est ça, c'est la limite. Quoi. Et pour les voiles ENA, il n'y a pas d'action pilote et la voile ou ENB, et la voile doit re-rentrer dans le domaine de vol toute seule, sans action de pilote et sans cascade d'incident, bien sûr. Merci Jérôme. Euh, Jean-Michel nous dit que la qualité de l'image des vidéos me semble moins bonne que dans les précédentes sessions. Oui, là, ce sont des vidéos euh, YouTube qui datent d'une dizaine d'années, hein, c'est ça, ouais. euh, de, de Air Turquoise. Euh, et donc, on, on utilise ça pour vous montrer ce que c'est que la certification EN. On a d'ailleurs, euh, Jérôme, ensuite euh, un, un décrochage asymétrique, non, asymétrique 50% accéléré. Voilà. Voilà, c'est pour voilà, on peut, on peut regarder ça. Donc là, pareil, les, les scotch sur la voile permettent de voir ce que veut dire 50% fermé. Donc il faut que la voilà, la voile, on, on va bien voir la fermeture, c'est sur le premier trait, hein, c'est 50%. Et on regarde la voile, comment elle se réouvre, de combien elle tourne et la en fait. Les trois critères sont notés. Est-ce qu'elle va réouvrir, de combien de rotations elle fait et de quelle amplitude il y a une abattée. Euh, là il doit y avoir une fermeture la même ça va être ensuite accéléré donc là je pense qu'on ouais, doit être accéléré ça c'est une 70% hein, donc il va au deuxième scotch et les grosses fermetures vous avez vu il y a la plus profonde, plus de rotation un début de twist du pilote ou déséquilibre on va dire et là c'est la même manœuvre accélérée à fond hein, on voit bien il est accéléré à fond tient pas les commandes toujours pour pas qu'il y ait d'action du, du pilote hein. parce que si une action du pilote il va, changer le, le, il va changer le comportement de la voile donc il faut vraiment voir que le comportement de la voile. Voilà, intéressant de voir euh, ces images mmh. en vol. Euh, ça c'est vraiment la norme N ne se fait que, que en vol, Jérôme, ou il y a des choses qui se passent au sol aussi mmh. Alors, ça, il y a, y a les 21 tests qui se font, euh, les 21 tests qui se font en vol, c'est les tests en vol, batterie de test en vol, tout est filmé. Et ensuite, il y a les tests de résistance. Est-ce que le matériel est assez solide Donc, sur les tests en structure, pour l'homologation EN, pour les voiles, il y a deux tests. Il y a un test, un test au choc. En fait, on va, les, les des personnes vont tenir la voile au sol, prête à gonfler. Puis il y a un camion qui part où on va voir le, un test au choc chez Air Design là. Euh, C'est pour voir le protocole. Euh, donc la voile est tenue droite et il y a un camion qui part ou un véhicule qui part à fond la caisse avec une, euh, une corde qui est accrochée à la voile qui est prête à être gonflée. Il y a un fusible d'environ 1000 kg. Donc le choc le, le test, la voile parafond le, le véhicule parafond la voile est, on va le voir là, est en train de le voir, prend un très gros très gros choc. Regardez, c'est assez violent. Voilà, ça c'était le test au choc. Le fusible a cassé environ 1000 kg et maintenant il va y avoir une vérification du matériel. Il ne doit, rien ne doit avoir cassé. Et ça, ce qu'on voit, c'est le fusible qui casse. Donc ensuite, la voile est vérifiée euh, visuellement. Quoi. Si pas de suspente cassée, pas de tissu cassé, etc. Ça, c'est le test au choc. Et suite à ce test. Il y a le test de montée en charge. Donc, la voile va être gonflée au-dessus du véhicule avec le pilote qui est dans, dans le véhicule et qui pilote la voile pour la garder stabilisée au-dessus de la tête. Et le, et le véhicule va accélérer pour obtenir une vitesse qui permet d'avoir une portance qui correspond à huit fois le poids total volant. Donc si le poids total volant est de 100 kg, le camion va accélérer pour créer une force de 800 décanewtons sur la voile. Et il faut qu'il y ait un palier de 4-5 secondes à ce, à ce niveau, de, de, niveau de résistance, au niveau de, de montée en charge. Voilà, là on voit la voile qui monte au-dessus du camion. Elle est stabilisée par le pilote qui est sur le camion. Tout ça est filmé bien sûr, et il y a un enregistreur de force en même temps. Et voilà, et le camion accélère. Et là, on voit la voile qui a cassé. Donc, il y a différents types. Alors, il faut que la montée en charge atteigne 8 fois le poids total volant. Donc là, on disait pour une voile de, de 100 kg en PTV, il faudrait que ça monte à 800 dkN, sans rupture. Hein, sans rupture. Et certaines marques demandent d'aller à la rupture, donc que le que, que le véhicule accélère pour que la portance eh ben, arrive à 2 tonnes, 2 tonnes et demie, etc. Et ça peut leur permettre, par exemple sur des Je voiles sais, de voltige et, et tout, ventes, de dire ben de voilà la notre la voile on l'a poussé jusqu'à 2 tonnes et demie avant qu'elle casse. Voilà donc ça c'est test en structure et test en vol c'est deux choses différentes. Et donc on en vient, j'en viens à dire que puisqu'il y a des questions sur des voiles qui ne sont non homologuées, alors il y a des voiles sur le marché qui ne sont non homologuées en vol mais qui sont homologuées en structure. Au choc et en montée en charge, mais qui ne, qui ne font pas les tests en vol. Voilà beaucoup de, beaucoup de choses, Jérôme. On a, on a pas mal de questions sur, sur tout ça. Euh, je vais te les, te les ressortir. Y a-t-il, selon toi, des essais ou des infos qui rendent compte du caractère sécuritaire de la voile, mais qui ne sont pas intégrés à la norme Par exemple, la tendance à cravater Et ben non. Eh ben oui, mais c'est pas la norme. C'est pour ça que le d'utiliser la norme pour choisir sa voile, ça, ça vide des limites, parce que, imaginez, vous pouvez avoir dix voiles ENB à votre taille, dans lequel vous rentrez dans et qui correspondent à ce que vous souhaitez faire. Donc ça va être peut-être dix voiles avec dix caractères différents. Donc euh... Donc, ça devient extrêmement subjectif, donc très personnel. C'est pour ça que, euh, avec le panel de voiles que vous avez, il va falloir faire un tri au départ. Il y a bien sûr le critère d'homologation, mais ça n'en est, est qu'un. Après, il va y avoir le poids de la voile, à quoi elle est destinée, co comment la marque présente sa voile, à quel public elle s'adresse, qu'est-ce que vous souhaitez faire, etc. Donc, il y a énormément de critères après l'homologation. Hein. L'homologation, c'est un critère point barre qui est comme ça. Euh... C'est tout, mais il faut utiliser d'autres critères pour choisir sa voile et ce sont des critères qui, qui vous sont plus propres, qui sont intrinsèques à vous. C'est ça là, qui demande plus de difficultés. Est-ce qu'il y a une influence sur la cellette, de la sellette Est-ce que le comportement d'une aile peut varier selon la sellette utilisée pour le test demande Ariane. Oui, salut Ariane. Oui, c'est pour ça que quand vous regardez un rapport de test, on en parlera aussi. Quand vous regardez un rapport de test où vous avez les notes. À des 21 tests en A, en B ou en C, vous regardez ça. Il est, il est stipulé au début avec quelle sellette c'est utilisé et avec quel écartement ventral. Voilà. Donc, oui, le, en général, alors pour la norme, oui, mais ce qui est important, c'est de vous, quand vous faites le choix de vos matériels, vous ne pouvez pas choisir que la voile. Il faut que l'ensemble voile-sellette fasse un package qui vous convienne, pas que la voile. Voilà. Il y a euh, encore une question, pourquoi ne, il y a tellement de voiles, alors euh, bah c'est Ariane encore qui pose la question, À tellement de voiles et de pilotes en B, pourquoi ne pas avoir fait une lettre de plus Parce qu'effectivement on parle de B-, de B+, de B, euh, voilà, pourquoi pas une lettre en plus Ariane, elle avait droit qu'à une question. Hein, oui, c'est ça, bon, c'est la, la dernière, euh, Ariane, une question d'avance. À Ariane, et ben, et ben ça y est, c'est fait avec le EN, ENB Low, ENB Plus ou ENB Low, ENB Medium, ENB High. Voilà, c'est-à-dire que ça, ça va se découper après. Mais faire une norme pour changer la norme, c'est un très gros boulot administratif. Donc la norme, avant qu'elle change, il faut qu'il y ait besoin d'un gros changement. Donc là, on va pas faire ENB1, ENB2, ENB3. Changer une norme, c'est trop gros administrativement. Donc c'est pour ça que il faut, il, faut, il faut se détacher un peu de l'homologation pour choisir votre voile et, et utiliser d'autres critères. Encore une question sur ça. Est-ce que les pilotes, euh, cette fois c'est euh, mail Mélanie qui doit poser ça et cette question. Est-ce que les tests de normes sont réalisés par des pilotes experts, auquel cas n'ont-ils pas des mouvements réflexes de placement dans les sellettes pour la gestion des manœuvres Eh bien non, justement. Alors justement quand, quand tu es pilote test quand on te propose ce, ce boulot et, et que tu fais ton boulot c'est justement pour euh, être expert entre guillemets parce qu'en France on utilise moins le mot expert qu'en Allemagne etc c'est à dire que euh, moi quand je suis pilote test de la norme EN euh, si en bas on me dit là Jérôme on dirait que tu as appuyé sur la sellette et eh ben je remonte faire le test en fait c'est le travail que je fais à ce moment-là du pilote test de la norme EN et, et visible. est visible c'est pour ça que vous voyez les images là de Alain on voit exactement ce qu'il fait et tout et, et on peut voir s'il appuie sur une commande ou pas donc c'est pour ça qu'on les lâche et le boulot justement pour être pilote test EN c'est d'être capable de ne pas être pilote usine c'est-à-dire de ne pas faire d'action ce qui est très particulier comme travail donc on se repose sur le comportement de la voile on regarde le texte, il faut tirer les élévateurs A jusqu'à 40%, on tire, on relâche, voilà, et on regarde ce qui se passe derrière. Donc, ce travail, c'est ça, le travail du pilote test EN, c'est de ne pas faire d'action, en fait. Mais c'est vrai, pour répondre à ta question, si pendant une spirale, j'appuie un peu sur ma sellette à gauche, ça ne se verra pas, et je fais changer le comportement de la voile. Donc là, après, c'est moi et ma conscience dans mon travail, voilà. Tristan nous pose une question de Suisse. Je n'ai pas trouvé de rapport d'homologation pour la run and fly de DUDEC, de la marque DUDEC. N'existe t il pas d'homologation pour les monosurfaces, point d'interrogation. Alors si, si, bien sûr, il existe. Alors, ça, ça, c'est comme les voiles les voiles classiques double surface, les monosurfaces, il y a des voiles, euh, des voiles qui sont homologués en, en monosurface et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des monopos qui sont aussi homologués suivant les tailles et pas toutes les tailles. Et en, donc, ça, c'est pour quand je parle de l'homologation en vol. Hein. Euh, euh, après, chaque monopo est au moins testé en charge. Hein. La, test au choc et test en montée en charge. Après, concernant la run and fly, il y a des tests en vol, mais pas EN, c'est des tests en vol usine. Tu peux trouver, euh, JB Chandelier avait, euh, avait, avait mis public quelques vidéos de, de, de comportement de la run and fly 16. Euh, en test usine, fermeture, décrochage, etc., pour que le pilote ait une idée du comportement. C'est ce qu'on avait fait, ce que continue à faire aussi chez Little Cloud. On avait fait nos propres vidéos de, de comportement de la voile pour montrer, en fait, pour diffuser le comportement, pour que les pilotes euh, aient une idée du comportement de la voile. Euh, voilà. Et puis il y a des monopoles qui sont homologués ENA, ENB, ENC. Voilà. Donc euh, la Run and Fly homologuée en charge. Mais pas en vol pour le moment. C'est possible qu'il faut voir avec JB et tout et du deck. si la 18, la 20, tout ça vont, vont s'orienter vers une homologation en vol. Je ne sais pas. Une question d'Émilie, Jérôme, qui nous demande comment font-ils pour homologuer les voiles de 50 à 70 kg par exemple Est-ce qu'ils font le test avec un pilote de PTV 50 et un pilote de PTV 70 Et si oui, est-ce pour cette raison qu'il n'y a pas d'homologation en dessous de 50 kg parce qu'on ne trouve pas de pilote assez léger alors, il n'y a pas de voile en dessous. Euh, oui, oui, il y a plusieurs raisons. Déjà que pour l'homologation, c'est très difficile de trouver un pilote. Euh, en dessous, alors souvent ce qu'on fait, il y a des pilotes très légers. Là, je pense en France, euh, il, y a, il y a Marc Boyer, il y, a, euh, il y avait Seiko à un moment, euh, il y a, a d'autres pilotes en, en, en Suisse, je ne me rappelle pas, qui bossent euh, avec Alain et Claude, euh, justement, qui sont miniers. Tu, ils volent avec un string, ou des fois ils font, ils font voler d'autres pilotes juste pour vérifier quelques manœuvres, en fait, pour voir si le comportement de la voile est, et fonctionne bien et surtout pas trop sur les grosses manœuvres comme les fermetures et tout, mais plutôt sur les les Basses vitesses, puisque c'est plutôt ça qui va pénaliser. Est-ce qu'une voile chargée à 45 kg va supporter une descente au B, va supporter les oreilles, les basses vitesses, etc. Donc, ça, c'est une des raisons. Il n'y a pas le pilote. Et après, le marché en, en dessous, c'est il y a très peu de voiles aussi. Euh, ça, c'est un autre critère. L'autre euh, critère, c'est qu'après, c'est compliqué en montant en performance d'avoir des surfaces trop petites aussi, peut-être. C'est d'avoir un, un mix performance comportement. Est-ce que ça vaut le coup d'homologuer une voile euh, de 14 mètres carrés en D pour l'école Ça ne marchera pas. Et euh, il existe maintenant des voiles euh, de, de 14 mètres carrés, de 16 mètres carrés, des mini voiles ou des voiles de montagne qui sont homologuées en vol mais qui ont souvent des catégories ENC ou END à 100 kilos sous 14 mètres carrés. Donc c'est juste pourquoi ces voiles sont homologuées très petites et tout, c'est simplement pour être aussi utilisées en compétition. Il faut qu'elle soit homologuée. Donc, on s'en fout en fait du critère d'homologation. Si tu as une 14 mètres carrés à 100 kg de PTV END, bah, si tu as envie de voler avec, tu voles avec. Il n'y a aucun problème. Elle sera saine, mais tu pourras aussi t'en servir en compétition. C'est un des critères. Et aussi, pour les tout petits gabarits, tu peux aussi voler en, en voile non homologuée en vol. Je pense aux mini-voiles qui acceptent très bien des 45 kg sous des 18 mètres carrés. Émilie qui euh, justement euh, Jérôme nous a envoyé une petite vidéo, euh, de, une petite photo pardon de son travail, un petit eh coup oui. ouais, pour nous montrer que qu'elle bosse à l'hôpital. Émilie, on la, on la remercie de nous suivre, elle nous regarde généralement en replay. Eh ben, et, excellent. Et, et, et ça tu nous vois, elle, et ça fait ça, un petit ouais. portique euh, en plus. Exactement. Et ça permet de rebondir sur une question qu'on nous a dit quel type de portique on pourrait utiliser. Ben voilà, Émilie nous montre le portique qu'elle utilise. Après, pour, pour se mettre dans sa sellette, il suffit de vous mettre un petit peu n'importe où avec deux sangles. Euh, symétrique pour pouvoir vous asseoir, euh, vérifier vos réglages, etc. Et si vous voulez aller sur des portiques qui sont plus, euh, on va dire, performants, qui vont vous permettre euh, des transferts de poids, d'essayer les oreilles, il existe des portiques où, avec monter avec des élévateurs et des suspentes, où vous allez pouvoir essayer l'accélérateur, vous allez pouvoir faire les oreilles, les descents au B, etc. Euh, ça existe aussi. Je ne me rappelle plus le nom, mais il y a. Euh, ça va me revenir, qui fait des portiques en bois magnifiques euh, dans le sud de la France et vous pouvez le contacter. On va avoir l'occasion d'en reparler puisqu'on va reparler des sellettes. Euh, pour oui. finir sur la norme, encore deux petites euh, choses. Martial nous dit les fabricants ont plutôt tendance à être plus gentils sur le comportement pour que le produit vise un, public, un large public. Alors là, je comprends... Pas la question. Euh, non, alors on va dire que le marché de, de la voile ENB en fait, du marché de la voile de loisir, c'est le plus gros marché au monde. Donc c'est pour ça que les, les, les fabricants, les marques, souvent placent deux, deux voiles ENB dans cette catégorie, puisque pour, pour essayer de ratisser le plus large public, voilà. Et maintenant les voiles ENB ratissent très large. On peut avoir des ENB très accessibles, voiles de progression jusqu'à des voiles quasiment de crosse euh, voilà. Donc ça ratisse très très large. Euh, donc je ne sais pas si je réponds à la question, mais j'ai tourné la question un peu autrement, quoi. Alors justement, on a, là on a parlé de l'homologation de, des voiles. Parlons du, du choix du matériel euh, plus précisément maintenant euh, des voiles, Jérôme. On a euh, plein de questions, bien évidemment, comment ouais. on choisit son matériel, comment on passe d'une euh, voile A à une voile B, etc. Comment on fait le choix euh, Tiens, je, on va commencer par cette première question. Quels sont les critères, nous demande Tom, pour décider de changer de catégorie de voile. Eh ben, le, les critères, ce sont tes critères à toi. Euh, Demande-toi. Et vous, je pense que ça, cette question, je vais la dire au moins 25 fois, si Vous pouvez noter en même temps que je la dis. C'est quels sont tes besoins Comment ça se fait que tu as besoin de changer de catégorie Qu'est-ce que ça va t'amener Est-ce que pour le qu'est-ce qui te manque sur la voile que tu as euh, Voilà. Donc, il faut vraiment te poser la question. Euh, de quoi as-tu besoin ou qu'est-ce que t'apporterait de changer de catégorie Un exemple vous prenez une catégorie ENA, vous changez de voile quatre ans après. Quatre ans après, dans la même catégorie ENA, il y a eu quatre ans d'évolution de conception, etc. Alors peut-être juste en restant dans la même catégorie, on a une évolution de la voile, peut-être en performance, en, en réactivité, en plaisir, etc. Donc avant de changer de catégorie, si c'est quatre ans après le modèle, peut-être que le, le même type modèle a évolué, quoi. Donc ça c'est un des premiers critères. Euh, se demander euh, est-ce que je suis arrivé au, aux limites, on va dire, d'utilisation de ce modèle, mais pas aux limites euh, de, de, de résistance ou de vieillissement de la voile, mais aux limites de performance de la voile. Est-ce que j'utilise mon accélérateur régulièrement? Euh, est-ce que je suis en manque de performance? Et comment je définis que je suis en manque de performance? Alors il y en a qui vont me dire oui, mais moi je pars en crosse et puis euh, j'avance pas. Alors je vais dire, mais tu n'avances pas. Sur quels critères tu dis que tu n'avances pas? Si c'est par rapport à des voiles qui sont beaucoup plus performantes que la tienne, premier critère, ne compare pas. Hein Il faut que tu te dises, toi, est-ce que, es est que ta voile te permet de faire les vols que tu aimes, te permet de progresser, d'être serein sous ta voile, de faire du cross avec n'importe quelle voile ou pas. Voilà. Et si tu n'arrives pas, définir les raisons pour lesquelles tu aurais besoin de changer de voile. Et tu vas voir, tu vas avoir la réponse assez claire, mais ça sera une réponse personnelle, en fait. Donc, les critères seraient, pour répondre à ta question, euh, besoin de plus de performance parce que ta pratique a évolué. Par exemple, tu t'es mis à faire du cross, tu t'es mis à faire de la compétition, ton volume de vol est passé de 50 vols à 150 heures par an de vol orienté cross. Donc oui, ton, ton bagage, ton expérience, tes connaissances, ta manière de voler, tes objectifs t'orientent vers peut-être un choix de matériel différent ou plus performant. Donc, changer de catégorie. Jérôme, une question de Jean-Marc. Pourquoi les finesses des voiles ne sont plus annoncées par les constructeurs eh ben Jean-Marc, c'est n'est pas très compliqué, c'est que ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire quand tu voles, euh, alors quand, pour faire des mesures de, de finesse, c'est très compliqué maintenant. Alors C'était facile quand on avait des voiles à 5 de finesse et qu'on passait de 5 à 5,5. C'était facile, on allait voler le matin sur 1000 mètres de dénivelé, puis c'était flagrant. C'était plus facile de mesurer plutôt. Maintenant, vous avez des voies à l'école à 8,5 de finesse. Donc, pour passer de 8,5 à 9, ça devient compliqué de le mesurer de manière précise ou ça prend beaucoup de temps. Il faut voler tôt le matin et encore, si on vole trop tôt le matin, on peut être sur des masses d'air qui descendent un peu. Si on va voler le matin, il suffit d'une petite bulle pour, pour que votre votre mesure, il faille la refaire ou la faire sur une très longue distance. voilà. Et donc, vous verrez, on, 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 maintenant on se fout carrément de la finesse. Mais au moins, personnellement, on, on, on se fout de la finesse. Ce qui est important maintenant, quand tu voles une voile, si la finesse t'intéresse, c'est est-ce que tu peux utiliser facilement la finesse maximum de ta voile La finesse des voiles, maintenant, c'est haut, N'importe hein, quelle voile, il faut se mettre bravo, c'est-à-dire pas d'action sur le bord de fuite. Donc, tu te mets en l'air. Et si t'as besoin de ta finesse max, est-ce qu'avec ta voile, tu peux voler bravo sans te la prendre sur la figure, en étant serein, en, en la laissant faire, etc. Si tu es toujours obligé de freiner parce que tu, tu ne te sens pas à l'aise bravo, eh ben, donc, ça sert à rien d'avoir une voile super fine puisque tu ne te mets pas à finesse max. Tu vois un peu le, le truc? Donc, c'est. Euh, ozone avait sorti un texte sympa c'était la vraie performance la vraie performance des voiles c'est celle que tu peux utiliser c'est pas les performances pures de la voile maintenant les voiles de, comment on fait avec les voiles de compétition tu prends n'importe quelle voile de compétition c'est elles sont toutes euh, sur le papier euh, c'est au top ça a 12 de finesse ça marche à 60 km heure c'est des avions de chasse le truc c'est comment tu peux faire si cette voile est performante Eh ben tu vas t'inscrire en compétition et est-ce que là tu peux utiliser la performance pure annoncée par la voile ou la performance pure de la voile en air calme. Voilà, c'est tout simplement. Et tu peux avoir une voile moins performante sur le papier, mais ce que tu peux utiliser à 80% dans des masses d'air turbulentes. Donc, celle-là, le bilan sera plus performant que le, le, sur le papier. C'est ça qui est important. Donc, la finesse, on s'en fout un peu, ça évolue. Mais même maintenant, les, les finesses, même maintenant, il faut prendre du recul sur les finesses annoncées parce que ça, comme il faut toujours en annoncer un peu plus, ça peut devenir un peu délirant, les finesses annoncées. Jérôme, encore des questions. Il y en a, il y en a plein. Bon, on, 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 des gens nous posent la question de la différence entre une voile euh, de parapente et de paramoteur. Et est-ce qu'on peut utiliser, faire du parapente avec une voile de paramoteur ou inversement Alors après, ça dépend, il y a des marques qui proposent, euh, je pense à la ITV Dolpo, puisqu'on a j'en ai parlé dans un ou deux messages avec quelqu'un. C'est une voile qui est, qui est faite pour le paramoteur et le vol libre. Quand on passe en paramoteur, on change les élévateurs pour mettre des trims dessus, c'est-à-dire des systèmes d'accélérateur sans utiliser un accélérateur à pied. Voilà, donc c'est une voile qui est conçue pour jouer un peu, pour, pour pouvoir faire du vol libre ou du paramoteur. Sur les voiles qui sont que spécialisées paramoteur, si vous volez en vol libre avec, ça peut être des voiles qui ne sont pas du tout maniables parce que les voiles en paramoteur sont faites pour être très stables, pour voler vite, etc. Et alors que des voiles de vol libre, il va y avoir plus d'accent sur le, la maniabilité, le plaisir en virage, etc. ce C'est pas les mêmes concepts de voile au départ. Donc la question qui peut-être en découle, parce qu'il y en avait une autre, c'était euh, qu'est-ce que je choisis comme voile Je fais un peu de parabole hauteur, un petit peu de vol libre, etc. C'est compliqué d'avoir une voile qui fait tout. Donc il faut toi, en tant que pilote, c est, c est, et c'est valable pour toutes les voiles, prendre le temps. De s'asseoir et de définir sa pratique, sa pratique personnelle, c'est-à-dire combien de vols par an ou combien d'heures par an, quel type de vol on fait, euh, est-ce que c'est des vols montagne, est-ce que c'est des vols sur site, est-ce que c'est des balistiques, est-ce que c'est de la voltige, est-ce qu'à chaque fois que je vole, je crosse, est-ce que c'est du vol en bord de mer dans du vent fort, est-ce que c'est des voyages, etc. Donc, suivant ces critères-là, ça va orienter vers les voiles, le poids, la facilité la taille. Donc il faut vraiment se poser avec soi-même et définir vraiment ce qu'on souhaite. Et faire une grosse différence entre ce qu'on souhaite faire et ce qu'on est capable de faire au moment où on veut choisir une voile. Il y a souvent où, ce qu'on a fait il y a 10 ans. Il y a 10 ans on faisait, 6, on faisait 60 km et tout. Peut-être que votre pratique a évolué. Peut-être que vous voulez une pratique plus posée. Vous avez moins de temps de voler, etc. Donc votre bagage d'il y a 10 ans, il faut peut-être le remettre au goût du jour au moment où vous choisissez votre voile. Ça, c'est un des critères. Et c'est pour ça qu'il y des... C'est pour ça que c'est compliqué de, définir, de choisir une voile, parce qu'on doit tenir compte de facteurs qui sont le regard des autres, l'ego. Avant on faisait beaucoup, maintenant on faisait un petit peu moins, donc on a l'impression de rétrograder. Avant, on se disait oui, avant j'étais capable de voler avec une, une voile de compétition, tout à fait. Mais maintenant, est-ce que, est que tu es capable de voler avec une voile performante ou simplement est-ce que tu en as besoin par rapport au vol que tu fais? Donc il faut vraiment se, se recentrer sur... Son activité euh, intrinsèque, en fait, pour que le choix plutôt soit intrinsèque et, donc, et se détacher un peu des facteurs extérieurs, quoi, ce qui est le plus difficile. On avait une question, Jérôme, aussi, euh, de quelqu'un qui nous demandait, mmh. j'ai perdu son, son prénom, j'en suis désolé, euh, de combien on peut dépasser le PTV d'une voile. On a déjà abordé la question dans un précédent Alors, live, mais tu peux nous le rappeler. Bah, tu, tu, tu peux le dépasser tant que tu veux. La question, c'est de savoir. Euh, Comment ça se fait que tu me poses cette question Est-ce que tu as eu un bon plan sur une voile, mais la voile était un peu petite et que tu dépasses... J'ai l'impression les... qu'il a mangé beaucoup pendant le confinement et qu'il dépasse... Ah, euh, alors C'est-à-dire que ton, voilà, peut-être ton PTV euh, euh, évolue, tu étais sous une voile, tu étais par exemple à 85 kg pour un 90 maxi, puis maintenant tu es à 95, on ne sait pas pourquoi, mais ce <laughs> n'est pas la question, on n'est pas là pour juger. Euh, oui, ça va changer, tu vas avoir une voile le plus maniable, une voile le plus solide à la turbulence, etc. Un petit peu moins de taux de chute, mais c'est n'est pas... Un critère euh, si tu dépasses un peu le, le ptv max le critère taux de chute n'est pas très n'est pas très important pour moi en fait ça change pas beaucoup voilà donc euh, voilà si tu dépasses énormément le ptv euh, euh, il faut savoir comment ça se fait que tu le dépasses tant et ça pourrait remettre en cause ton matériel si tu dépasses tant peut-être que tu peux revoir juste ta cellette si tu aimes bien ta voile tout le bagage que tu emmènes autour de ta voile donc ça manque de précision euh, d'informations pour que je puisse te répondre plus précisément. Voilà. Mais au niveau sécurité, ça, ça change pas énormément de choses si tu l'emplafonnes pas trop, on dit le PtV, que ce serait que ce soit en bas de fourchette ou au de, au delà du PtV max. Une question qu'on nous a posée avant le, avant le live, Jérôme, de Lionel. Quelles sont les différences entre une voile de loisir, de crosse et de montagne Est-ce que l'envergure de l'aile, la forme, mm -hmm. euh, des nervures, le poids, etc. Mon ami Vincent me dit qu'il y, <laughs> qu y a un peu de différence entre la voile et que c'est le pilote qui fait toute la différence. Lionel, Lionel est moqueur. Lionel a vu les précédents dans oui, oui. live et lui aussi, Exactement. il a un ami Vincent. Un ami Vincent. Bon, il, faut, il, faut, il faut avoir des amis Vincent pour <laughs> se détacher un, un peu de, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense. Euh, ben, les deux. Les deux de phrases sont justes, c'est-à-dire que que plus on monte en performance, plus il y a, y a de l'allongement. Par exemple, des voiles de performance, il peut y avoir moins de critères de, de poids. En fait, les voiles sont plus lourdes parce qu'elles sont plus cloisonnées, elles sont plus grandes, plus de cloisons, etc. Donc, ça fait des structures un petit peu plus lourdes euh, que des voiles de loisirs. Euh, voilà. Quand je dis loisir, c'est ou, ou voile d'apprentissage, ce n'est pas péjoratif. Hein, J'utilise souvent ces mots-là. Ce pas du tout péjoratif. Hein. Euh, on peut voler toute sa vie avec une voile de, de, des premières voiles le NA, ça marcherait bien, on peut crosser avec. Euh, L'autre question, c'est euh, mon ami Vincent dit que le, la performance est liée au, au pilote. Ah ben ça c'est sûr. Si tu achètes une voile de performance mais que tu n'utilises que 30% de son potentiel, la globalité fera que tu n'auras que 30% de la performance euh, proposée. Euh, si tu voles avec une voile qui est moins performante, mais que tu en utilises 80%, c'est-à-dire que tu utilises vraiment tout ce qu'elle te propose, l'ensemble sera perf performant. Donc c'est pour ça le critère performance pure, vous allez voir que rappelez-vous simplement quand vous êtes en l'air et, et que ça bouge. Posez-vous la question si vous utilisez les performances de votre voile et tout. Mais, et alors le truc qui est incroyable, c'est que c'est quand même un, un sacré critère de performance. On va plutôt choisir une voile qui vole à 48 à fond que la voile qui vole à 44, même si on ne vole jamais accéléré à fond. Quoi. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est le, le côté humain. Quoi. Autre question, Jérôme les avantages et les inconvénients d'être surtoilé et aussi le contraire et ben voilà, on en a déjà parlé dans nos repas. Si on est surtoilé, alors maintenant, il faut dire que, que la plupart des voiles, il vaut mieux être en milieu de fourchette et en haut de fourchette. Euh, pourquoi C'est là on a, on a le meilleur rendement de la voile, la, la meilleure homogénéité de la voile, la meilleure maniabilité de la voile. Si on est vraiment en bas de fourchette, tout en bas, on peut avoir une voile qui est pas assez, euh, pas assez maniable, qui peut clignoter, c'est-à-dire des petites fermetures en bout d'elle quand ça bouge, euh, que ce soit moins sympa, etc. Plus de, de, de puissance sur les gonflages, sur les, les décollages avec du vent, etc. Donc on n'a pas trop intérêt à être en bas de fourchette si on a le choix. Hein. Mais si on n'a pas le choix, ben, on fait avec. Une question de Jean-Philippe qui nous demande la différence entre le PTV et le PTV étendu. Ah, alors ça, c'est sur quand vous achetez une voile, et eh par exemple, ça peut être une voile utilisée en vol libre et aussi homologuée pour le paramoteur. Donc, il y a une homologation euh, EN vol libre et il va y avoir une homologation DGAC pour le paramoteur. Et souvent, c'est la même voile, mais par exemple, si elle fait 80-100 kg, pour le paramoteur, ils ont fait de 100 à 125 kg la même voile. C'est-à-dire qu'ils l'ont surchargée pour voir si elle peut être la même utilisée en paramoteur, puisque vous allez compter 20-25 kg, voire plus de moteur. Voilà. Jérôme... C'est ça le PTV étendu. Oui. Et oui, et il y a autre chose aussi. Oui. Euh, pour être plus précis, c'est-à-dire que si on ne parle pas de paramoteur, parlons simplement de vol libre. Euh, c'est-à-dire que maintenant, il y a un truc qui est assez nouveau depuis pas longtemps, quelques années. C'est qu'une même voile, par exemple, une EN, euh, on va prendre une voile montagne de 18 mètres carrés. Elle va avoir euh, une homologation ENA de alors 18 mètres carrés. Ça ferait euh, en gros 60 kg, 80 kg. Elle est en ENA. De 60 kg à 90, elle sera ENB et de 60 kg à 100 kg, elle serait ENC, la même voile. C'est-à-dire qu'on garde la même voile, on va faire des critères d'homologation différents parce que le PTV change et parce que les pratiques vont être différentes. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir maintenant sur des voiles montagne. Plutôt des petites voiles, euh, des, des pratiques différentes avec la même voile. C'est-à-dire que les pratiques vont changer si vous, êtes, si vous montez en charge en PTV sous la voile. Et donc le niveau d'exigence va augmenter. Donc ceux qui aiment faire euh, des vols rapides, etc., ce qu'on appelle plutôt le speed flying, ils auront la même voile mais ils seront en haute fourchette ou, ou même ils seront sur un PTV étendu, peut-être 10, 20, 30 kg. Et celui qui veut utiliser la même voile mais apprendre ou faire du voile montagne tranquille, il aura la même voile mais il sera dans un PTV euh, plus petit. Ça c'est nouveau, ça. Et c'est intéressant. Merci Jérôme, on a une question euh, Alors attention, je vais te la lire euh, De Julien qui nous dit J'ai débuté en 2011, je vole sur une ENA depuis que je suis autonome Il s'agit en fait d'une A+, Il donne la marque à une Anakis 3 de Sky Paragliders, je vole principalement en pleine J'ai l'habitude de voler dans du vent fort Dans des aérologies souvent turbulentes, je vole sur site Je fais des plafs et j'aimerais pouvoir faire Mes premiers cross, j'apprécie la sécurité De mon ENA mais la faible vitesse de mon aile M'oblige à souvent utiliser l'accélérateur C'est le principal reproche que je pourrais faire à mon aile est-ce que je dois changer d'aile pour une aile plus rapide Serais-je alors obligé de faire des concessions sur la sécurité Eh bien euh, voilà, la, la question qui revient, tu as besoin de quoi euh, pour, pour, Pourquoi tu trouves... Alors sur quels critères tu considères que ta voile n'est pas assez rapide Si c'est parce que tu utilises ton accélérateur, on va dire que ça va être assez courant après en crosse. Euh, donc voilà, il faut voir si, euh, si, 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 si ça vraiment, ça te bloque sur ta progression en crosse. Voilà, donc ça c'est vraiment il faut te poser la question sur quels critères tu bases que tu n'avances pas. Si c'est que l'utiliser la, l'accélérateur, bon c'est un critère, mais bon, de là à changer de, de catégorie de voile, c'est pas évident. Euh, surtout si tu es serein sous ta voile, que tu la connais bien, que tu vois dans des aérologies déjà soutenues, ben moi je trouve ça plutôt pas mal. Si en plus tu utilises ton accélérateur là-dedans, c'est-à-dire que là tu utilises ta voile, tu commences à l'utiliser complètement, utiliser tout ce qu'elle te propose. Et oui, si tu changes de catégorie de voile, euh, il faudra de toute façon t'adapter à une nouvelle voile parce qu'elle risque de ne pas avoir du tout le, le même caractère, hein, même à la sécurité égale. Et oui, elle sera euh, sûrement un petit peu plus exigeante. Voilà. Donc, si elle est un peu plus exigeante, est-ce que tu voleras de manière aussi sereine que maintenant Donc ça, c'est vraiment une question à se poser. Quoi. Avec du recul, une autre question. Est -il, euh, Christian nous demande avec du recul, est-ce qu'il est possible de catégoriser voile par rapport au pilote en fonction du nombre d'heures de pratique par an Genre 50 heures, de voile, 50 heures euh, par an, c'est voile pilote catégorie A. Euh, voilà. Est-ce qu'on catégorise, est-ce qu'on peut ranger ça dans des cases alors, ça, ça, ça plaît. À... Alors, juste, je, je reviens sur un truc, Liliane, euh, de du, du, la question d'avant, c'est que tu peux essayer une autre voile, tu vois, pour te donner une idée sur un sur un site que tu connais, tu fais un, un cross que tu connais, par exemple, tu essayes une autre voile de catégorie supérieure et tu te fais une idée, voilà. Ça, ça sera plus précis pour choisir. Donc, pour revenir à la question qui est là, euh, alors oui, certains pilotes aiment bien rentrer dans des catégories, c'est-à-dire euh, acceptent qu'on leur dise voilà, tu fais plus de 50 heures de vol, euh, tu peux voler sous une ENB par exemple. Voilà. Euh, bon. Après, euh, nombre d'heures de vol, encore faut-il savoir ce que ça veut dire Des heures de vol de quoi De soaring en bord de mer hein euh, Des heures de vol en cross euh, En local donc c'est très varié, donc il va falloir remettre des critères sur quelles sont ces heures de vol. Quoi. Voilà. Euh, euh, ensuite, il est sûr que plus on monte en catégorie de voile de performance ENC, END, plus et ça demandera pour les utiliser d'avoir un bagage minimal de volume de vol correspondant au sac Queen là-haut. Ouais. Correspondant, <laughs> euh, co co correspondant au, à la pratique, c'est-à-dire si tu as une voile de performance et que tu fais jamais de cross, moi je remettrai en vol. Pourquoi Comment ça se fait que tu choisis ce type de voile Et pour avoir une performance et faire du cross, eh bien oui, il faut peut-être faire 150 heures de cross par an. Il faut orienter tous tes vols vers de la performance. Voilà, c'est ça qui, qui te fait rentrer dans une catégorie. Et en général, plus tu montes sur des catégories de performance, moins tu te poses ces questions. Voilà, puisque tu sais que tu voles beaucoup, donc tu as le critère performance qui va rentrer en jeu de manière plus importante. Si tu fais plein de compétitions, si, si ton truc c'est de faire de la compétition, eh ben tu vas aller choisir une voile de performance et tu, et tu feras le nécessaire pour t'adapter à la voile, gonflage, euh, stage de pilotage, euh, beaucoup d'heures de vol en crosse, etc. Donc la question après de la gestion de, de la catégorie de voile ne se pose même plus en fait. Par contre au début, quand tu progresses oui là le nombre d'heures de vol peut être important la catégorie de la voile c'est-à-dire le, le comportement de la voile est important puisque tu passeras tu, tu souhaites passer moins de temps à t'adapter à, à la voile quoi. et ça c'est un des gros critères de, de choix même si vous mettez tous vos critères sur une liste pour choisir votre voile et que vous en avez choisi une quelle que soit la voile il faudra un temps d'adaptation la voile ne va pas s'adapter à votre, à ce que vous faites, à votre comportement. Il faudra vous adapter au comportement de la voile, quelle qu'elle soit. Donc là, il faut peut-être 30, 40 vols, 20 heures, dessous, 30 heures pour comprendre comment elle fonctionne et pour petit à petit la connaître et être serein dessous, donc l'utiliser. J'ai l'impression, Jérôme, que c'est ce que tu disais dans, un, dans le live précédent. Euh, la voile, euh, peut-être c'est un aspect psychologique là, la certification. Euh, oui. ENA, ENB, est-ce qu'on passe en A, B euh, Je vais me mettre un niveau supérieur à une B etc. Le mieux, c'est de toute façon de, de la tester et le choix se fait aussi par. Euh, le constructeur par, parce qu'on connaît euh, l'école qui va me conseiller de prendre cette voile me la faire tester mais le mieux c'est de la tester moi je me souviens de passer d'une A à une B à même une voile montagne c'est parce que je l'ai testée et que j'ai adoré et que je me suis dit tiens j'y vais mais de, de, de psychologiquement me dire je vais passer à une B ça ça il y a plein de choses qui se mettent en place dans la tête tant qu'on ne l'a pas fait euh, voilà c'est c'est autre Alors, chose oui. de, de faire le pas et de l'essayer vraiment ça ça apporte autre chose et ça démystifie le, le côté A et B j'ai l'impression il, il, est, il est sûr que, que le côté psychologique est extrêmement important, c'est-à-dire quelle importance on met à la note en fait. Si vous basez tous vos critères de choix sur ENA, ENB, ENC, c'est sûr que si vous voulez sous une ENB que ça vous fait peur parce qu'avant vous étiez en ENA, ça va vous, vous, vous polluer l'esprit ce truc-là. Ce truc donc, euh, donc oui, et, et, et la question que moi je me pose là, c'est euh, euh, Comment le pilote pourrait avoir d'autres critères que ce critère d'homologation qui devient extrêmement important, sur lequel on ne fait que se baser, mais on en voit bien les limites. Toutes les questions, là, montrent bien les limites de ce critère d'homologation. Donc, comment, euh, comment chanter un peu ça, ou comment plutôt le... Euh, lui donner, euh, de, euh, utiliser d'autres critères, il y a se connaître un peu, se poser les bonnes questions, euh, demander des conseils, mais pas peut-être pas obligatoirement aux potes, hein, demander à des, à, à des gens qui vous connaissent, qui vous ont vu progresser, en fait peut-être. N'hésitez pas à demander aussi des, des conseils à la marque en général. Le, le, les, les marques, si vous regardez un petit peu la présentation de leur modèle, ils sont assez justes dessus. Hein, hein. Euh, voilà, mais on en veut toujours un petit peu plus, mais on est confronté après par rapport à son propre expérience et on a envie de, de on a envie d'être assuré en vol voilà mais on n'utilise pas tout le temps les bons critères pour être assuré Ced qui doit s'appeler Cédric euh, nous dit il faudrait pouvoir essayer du matériel plus facilement il y a peut-être un accès euh, <laughs> effectivement à tester ses voiles euh... alors euh, oui et non. C'est-à-dire que c'est pour ça. Je reviens sur ce que tu as dit avant Seb, mais ça revient sur, ce que, sur cette question-là. C'est comment on teste une voile en fait. Ça c'est important. C'est-à-dire je vais vous donner deux trois exemples. Au début on a dit pour choisir une voile, imaginez vous avez pris tous les critères les vôtres et tout, puis boum, il y a cinq voiles qui sortent avec ces critères-là qui conviennent à ce que vous avez choisi. Est-ce que vous allez essayer les cinq Déjà, il faut pouvoir concrètement les essayer. C'est-à-dire qu'elles soient accessibles. On ne va peut-être pas vous les envoyer, ou etc. Il faut peut-être vous déplacer. Euh, donc, ça remet peut-être en cause l'essai de ces cinq tests. Après, vous allez peut-être en essayer trois. Voilà. Mais n'oubliez pas que vous, vous devrez de toute façon vous adapter au matos. Hein. Donc, euh, même si vous en essayez 15, au moment où vous allez falloir prendre la décision, euh, il faudra vous adapter. Ensuite, comment essayer la voile, en fait il faut essayer la voile sur un site que vous connaissez, avec la sellette que vous connaissez. Dans l'aérologie, vous connaissez. Si vous prenez une super voile et que vous l'essayez qu balistique et que vous ne volez jamais dans de l'air super calme, vous allez trouver la voile super, etc. Donc essayez-la dans les mêmes conditions dans lesquelles vous volez d'habitude pour vous. Euh... Oui, j'ai pour... pardon, euh... excuse-moi. Euh... Euh, tac, 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 où il y a du son qui est arrivé. Donc, il faut essayer les voiles dans, les mêmes, dans le même contexte que vous, dans lequel vous volez habituellement. Alors, après, comment concrètement essayer la voile euh, Il faut définir avant votre vol ce que vous allez regarder, en fait, un petit peu. Par exemple, vous pouvez porter là, la... et c'est là où il va falloir, pendant le vol, porter attention à plein de petits points. Par exemple, est-ce que le débattement est grand Est-ce que votre voile est réactive avec le, le débattement que vous utilisez d'habitude Est-ce qu'elle est moins réactive ou plus réactive Est-ce qu'il faut mettre un peu plus de commandes pour avoir le même virage que, que vous aviez avec votre voile précédente. Euh, euh, regardez ce que vous ressentez sous votre voile. Est-ce que vous trouvez qu'elle vous transmet beaucoup d'informations ou qu'elle est très, au contraire, qu'elle filtre tout, etc. Euh, Est-ce que vous vous sentez serein dessous Ce qui fait que normalement, il y a un truc sur lequel vous devez faire confiance, c'est votre première impression sous la voile. Cette première impression est très juste, en fait. Euh, Faites confiance à cette première impression, euh, qui est juste et qui vous convient, en fait, qui, qui vous correspond. Voilà. N'essayez pas de mettre ça de côté, quoi. Si vous volez sous une voile et que vous êtes tendu, et puis que, en finissant le vol, on vous dit, ouais, ça c'est une super voile, ça ci, ça ça, ça ça, vous allez mettre de côté votre première impression où vous étiez pas trop à l'aise dessous, vous allez, vous allez le regarder vous allez choisir cette voile parce qu'on vous dit tout ce que tout le monde vous dit que c'est bien puis après vous allez retrouver cette impression vraiment concrètement pendant votre vol et ça va vous gêner pour voler quoi. Alors Martial nous dit la location permet de tester longtemps une voile et de la changer si ça ne convient pas c'est peut-être une solution. Est-ce que ça existe Alors oui, peut Oui, voilà, certains shops, certaines écoles proposent les voiles à la location et le prix de la location est, est enlevé du, du prix de vente ou de l'achat ou si vous l'achetez. Sinon, vous payez la location. C'est vrai que ça, que ça, euh, ça peut enlever. C'est sûr que ça vous fait un coup, mais au moins vous essayez la voile, vous, vous investissez dans l'essai de la voile si c'est important pour vous. Quoi. Voilà. Et Gérard demande comment on choisit quand on débute et qu'on veut garder sans changer dans deux ans, par exemple. Peut-être acheter une voile d'occasion aussi. Euh, si on ne veut pas changer dans deux ans, ben en gros, tu prends n'importe quelle voile, que ce soit une voile neuve ou une voile d'occasion, euh, tu vas pouvoir la garder longtemps. Globalement, euh, c'est rare qu'un pilote garde la voile jusqu'à ce qu'elle soit rincée. Hein. On change avant parce qu'on en a marre de la voile, regardez les messages qui passent, euh, parce qu'on veut un peu plus de performance, parce qu'on ne peut plus la voir en peinture, parce qu'on a entendu dire que, etc. Donc c'est rare qu'on qu aille à la fin de vie de la voile. Et c'est vrai que peut-être pour un débutant, c'est difficile de choisir une voile ah. de, 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 au, à l'origine, mais peut-être effectivement, il y a quelqu'un qui, qui répondait, bah, prends le, la voile que, avec laquelle tu as volé en école, par exemple. Par exemple, c'est-à-dire que comme si tu débutes, c'est sûr que tu t as un lien avec des gens, tu as sûrement appris en stage, tu as, as déjà volé avec des voiles, pourquoi choisir autre chose, peut-être que ça te convient bien ça c'est un des premiers critères. Ensuite, si tu ne sais vraiment pas, c'est pas très compliqué, tu prends toutes les marques, tu prends les premières voiles de toutes les marques qui correspondent sur le cahier des charges à ton niveau, tu vas pas trop te tromper, il faudra de toute façon t'adapter. Merci Jérôme, on a, on a plein de questions sur, ce, sur ces voiles. Euh, encore une, je vais te la faire apparaître qu'on nous a euh, posée. C'est Yannick qui nous pose cette question euh, quelles sont les principales différences de pilotage entre une voile normale et une monosurface et on fait un petit coucou à Yannick avec le petit dessin euh, voilà délicat. Ah oui. Alors euh, Yannick, alors les deux voiles sont normales, hein, que ce soit double surface ou monosurface, elles sont normales. Euh, alors le, la question c'est la différence de comportement. Euh, différence de pilotage, oui. À... Ah différence de pilotage. Et eh bien après, ces, ces différences de pilotage, ça serait plutôt lié à quels sont les objectifs de ces voiles en fait. Euh, souvent on a vu que les, les monopots, les monosurfaces, on sont beaucoup orientés vers déjà vers un poids faible. Euh, sont orientés vers peut-être le vol montagne, etc. Et dans ces types de monopo, on, euh, on, on va avoir de plus en plus de performances maintenant. On reste dans des catégories UNB, mais avec lesquelles on peut commencer à, à, à crosser sans problème. La différence de comportement, c'est déjà au gonflage. J'essaye si les deux, ça va être le jour et la nuit. Le, la monopo gonfle très, très vite, euh, avec moins de puissance, euh, sans dépasser aussi, euh, Voilà, par rapport à une voile classique qui va être plus lourde à monter. Euh, pour te donner une idée, euh, le, le volume de rangement d'une monopole est plus faible. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Après, je pense que les limites des, des monopoles là si on parle de limites, ça va être plutôt dans des aérologies turbulentes, euh, si tu veux garder de la performance. Elles ont, comme elles sont... Euh, moins cloisonnées, qui n'y a pas la double surface, elles vont, elles vont avoir tendance à se déformer un petit peu plus dans la corde. Donc, tu peux perdre un peu de performance euh, à vitesse max avec plus de déformation de l'avant. Mais encore, ça, ça évolue. Euh, voilà. On va alors après hors du domaine de vol, euh, globalement, on va avoir des, des retours au vol, c'est-à-dire des abattés plus plus rapides et des bascules arrière un peu plus fortes euh, en, en monopo qu'en double surface. Mais ça ne veut pas dire que les, que, que les abattés sont plus fortes, elles hein, sont plus rapides, mais pas obligatoirement plus fortes. Euh, et puis maintenant, comme les voiles sont, la plupart sont homologuées, euh, par exemple des ENB, ben, tu auras le comportement ENB d'une monopo avec le comportement du ENB euh, double surface, avec peut-être un peu plus de vivacité euh, au-dessus de la tête. Quoi. Voilà. Mais sinon, Donc il faut si, si as un gros doute tu peux essayer deux voiles qui correspondent au même cahier des charges hein. par exemple une voile montagne double surface ou mono surface et puis tu tu checks quoi tu, tu te fais ton, ton ta propre idée et, et faites-vous confiance sur le, le choix du matériel hein. voilà et vous verrez c'est beaucoup plus c ça vous conviendra mieux et si ce qui vous compie, ce qui vous convient mieux vous rassure mieux en fait voilà et Botanix nous pose la question de la durabilité de l'usure des des, des monopos, justement eh bien, les monopots sont utilisés, sont conçus avec exactement les mêmes matériaux que des voiles classiques double-pot, donc il n'y a pas de raison qu'elle s'usent plus, exactement pareil. Après, si tu as si une, une, si une monopot ou une, une double surface en 27 grammes au mètre carré, où l'objectif c'est la légèreté, etc., il faudra avoir une manière d'utiliser un peu moins bourrin, par pas faire des milliers d'heures de gonflage parce que la structure est légère, voilà. Euh, c'est tout. Mais il existe maintenant euh, des monopos légères et des monopos euh, en tissu plus classique avec des forts grammages, simplement pour une utilisation globale plus facile en fait. La monopo amène plus de facilité au sol, et c'est pour ça qu'on on voit maintenant. Euh, des écoles qui où on peut apprendre moi je trouve ça pas mal euh, cette orientation d'apprendre avec des monomonopoles parce que vous êtes en situation de réussite immédiate sur la pente école hein. un gonflage avec une monopoe euh, c'est il suffit de marcher hein. la voilà arrive au dessus de vous quoi alors qu'avec une double surface ça demande comme c'est un petit peu plus lourd ça demande un peu plus d'action pilote donc ça peut être une très bonne alternative pour apprendre la monopoe euh, pour apprendre pour être en situation de réussite gestuelle technique plus rapide. Et tu vois justement, Ariane nous demande, les monosurfaces semblent hyper tolérantes et peut-être n'apprennent pas au pilote à gérer comme sur une voile normale. Si, euh, alors ça dépend aussi après c'est pareil en fait il faut alors ça ça peut être le ça peut être l'argument de certains qui disent si tu apprends avec une monopo en école tu seras incapable de passer d'une monopo à une double surface non pas du tout tu t'adapteras tu de toute façon c'est comme si tu apprends avec une double surface une, une voile classique et puis que tu changes de voile après en sortie d'école et tout il y aura le même niveau d'adaptation hein. il faut pas euh, voilà. Donc euh, euh, non, non. Avec une monopo euh, 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 le fait que ce soit plus facile sur un gonflage, euh, ça rend plus serein, ça, rend, ça donne plus confiance. Donc ça, c'est super positif, quoi. Hein. Donc c'est, je trouve pas ça malsain pour la suite. Hein, au contraire. Encore une question sur cette thématique, Jérôme. Une voile monosurface light de type skin plume peut-elle convenir de voile unique à tout faire, justement, vol rando sur site, mini cross, thermique? Bien sûr, tout à fait. Il y a des gens d'ailleurs qui ont choisi des monopots comme la Skin P pour, pour, pour qui font tout parce que ça correspond. Il faut pas dire est-ce que je peux tout faire avec la voile. C'est toi, qu'est-ce que tu veux faire et tu avec n'importe quelle voile, tu vas pouvoir tout faire. Tu vois, tes limites sont, ne sont que les tiennes. Donc, avec une Skin Plume, il y a des gens qui ont choisi ça pour ratisser tout, tout voyager. Euh, une monopo bien pliée, ça rentre dans la cabine d'un avion. Hein, euh, euh, il faut dire ça aussi, donc c'est facile à mettre en place, etc. Donc tu peux tout faire après. Alors bien sûr après, suivant le type de voile, tu auras des limites. C'est sûr que voler avec une skin ou une monopo globalement pas particulièrement la skin, mais avec une monoto globalement, si tu fais que du soaring en bord de mer, dans du vent soutenu, euh, la question se pose. Tu, tu, le fait de jouer dans le sable, etc. Est-ce que tu et avec une voile qui va plus vite, est-ce qu'il faudrait pas s'orienter sur une autre voile Mais si tu veux une voile qui fait tout, ça fait tout. Jérôme, on va encore prendre deux petites questions sur, sur, le, sur les voiles. Après, on passera aux sellettes. Et on a des images à vous montrer aussi. Euh, Joseph nous demande pourriez-vous nous parler rapidement de la vitesse à laquelle peut user le sable mmh. ou la neige euh, les voiles Donc, les voiles ah. peuvent s'user avec le sable ou la neige À quelle vitesse ah ben c'est sûr que si tu, tu vis en bord de mer dans du sable et que tu voles que dans l'air marin en faisant du soaring dans 30 à l'heure de vent à chaque fois que tu vas voler, oui, c'est ce qui est de, de plus traumatisant mécaniquement pour une voile, hein, c'est ça. Mais et en même temps. Tu as des voiles en bord de mer, ils leur mettent plus de 300 heures par an, elles ne bronchent pas. Quoi. Donc, euh, c'est tout dépend quels sont toi tes critères de vieillissement. C'est toujours si on dit Oui, Jérôme, moi j'aimerais bien, c'est quoi la voile la plus solide que je vais garder 10 ans Le, La première réponse est Tu la garderas jamais 10 ans ta voile parce que tu auras envie de changer avant. Donc, il faut pas trop s'inquiéter sur l'usure du matos. Le matos est solide, euh, les suspentes sont solides, les matériaux évoluent. Donc, euh, vous, vous pourrez leur en mettre des heures à vos voiles avant de vous inquiéter. Et n'oubliez pas, on en reparlera tout à l'heure, qu'il y a quand même tout un protocole de révision du matériel. Hein. Vous pouvez garder longtemps. Hein. Voilà, on a tendance à, ch à, à changer très vite de matériel. Trop vite par rapport au vieillissement de la voile. Donc, oui, si tu voles en bord de mer dans du sable et que tu vas comme un salaud, entre guillemets, euh, ben, tu vas te régaler déjà. Et puis peut-être que tu vas plus solliciter ta voile. Euh, voilà. Et dans la neige, on parlait là, tu, tu, tu parles du sable. Parce oui, oui. que dans la neige, il y a une usure également euh, la neige pas particulièrement, il faudrait plutôt se méfier, alors si dans la neige on peut avoir des neiges très abrasives en fait, les neiges de printemps avec des, des petits picots euh, qui, qui quand on met la voile par terre qui vont agresser mécaniquement comme des cailloux en fait, hein. ça et après il faut se méfier sur la neige, ce qui vole au printemps c'est les cycles gel-dégel en fait, vous volez au printemps, vous laissez vos voiles dans la neige et tout, elles s'imbibent de neige et tout et petit à petit d'humidité, donc elles peuvent être mou mouillées la journée si vous faites plusieurs vols, je pense aux biplace euh, ou même en voile solo et puis vous les rangez humides par exemple ou vous les laissez... Euh, et où elles gèlent par exemple, le matin elles gèlent s'il y a de l'humidité dedans, voilà, ça, ça va... Abîmer les matériaux un peu Alors, plus vite. Quelques questions justement, Jérôme, et c'est la dernière salve sur, euh, sur les voiles, euh, avant qu'on passe au CELET. Euh, Marie qui reçoit des questions là chez R escapade euh, et donc on lui demande euh, Ma voile en soute ne risque pas de s'abîmer plus vite avec les différences ah, de oui. température. Alors, n'oublie pas qu'en soute, tu tes animaux aussi. Il hein. y a ton chien et ton chat. Hein. Euh, donc, euh, non, euh, dans une soute, il doit faire euh, pas loin de 20 degrés, euh, pression atmosphérique euh, normale. Donc, il n'y a, a pas de problème en soute. Hein. Mets... Ce que tu veux en soute, tu peux même mettre des saucissons, des fromages. Moi, je, euh, je euh, croyais qu'ils ça... qu congelait le chien et qu'on le ressortait après. C'est pour ça. Non, <laughs> oui, non, ça... Veux... alors ça, il faut payer pour ça. Ouais. Ah, d'accord. Okay. Et donc, euh, oui, oui, il y a aucun risque en avion d'amener les voiles en cabine. Alors, en cabine, tu... c'est juste une question de volume et de poids. Mais, euh, donc, tu peux amener des voiles très légères et peu volumineuse en cabine, sinon c'est tout en soute et ça n'abîme pas du tout le matériel. Et justement, pour voyager léger, je vais acheter spécialement une voile monosurface pour payer mon billet d'avion moins cher. Qu'est-ce que tu en penses oui, si c'est un critère important pour toi, on, personne n'est là pour le juger, c'est très bien. Hein. Moi, j'ai des voiles montagne, euh, euh, suivant les endroits où je vais, j'ai que ça euh, dans un petit sac, ça rentre dans, dans un sac de cabine avec la sellette tout quoi. Bien sûr, ouais. ça peut être un critère qui peut être important si tu voyages beaucoup et d'avoir la possibilité de voler euh, sans de trimballer 20 kilos de matos. Ouais. Et une dernière question, euh, conseilles -tu, me conseilles-tu une voile polyvalente parapente paramoteur <laughs> Et non, parce que je connais pas assez le paramoteur. Ouais. Euh, là, tout à l'heure, pas... bien sûr, il y en a, ça, il faut vraiment s'orienter. Il, il, il faut demander aux marques, en fait, je pense à ça, ou aux paramoteurs, ou à des gens qui font les deux, et, et trouver un bon compromis. Mais ce que je remarque maintenant, c'était qu'il y, y a quelques années, on avait des voiles qui faisaient tout, en fait. Hein. Donc on achetait une voile, on faisait de la voltige, de la montagne, du cross, on faisait tout. Maintenant, les pratiques se spécialisent tellement cross, voltage, paramoteur, speed flying, etc. que euh, freestyle ou marché vol. Que vous avez presque une voile, c'est comme les skis, une voile par pratique. Donc euh, sur vos étagères, vous avez plein de matos. Si vous avez les moyens, parce que c'est très cher, parce qu'il y a la sellette qui va avec et tout, donc c'est difficile d'avoir une polyvalence des, des choses. Après, il faut te demander euh, entre paramoteur et volib s'il n'y y en a pas un qui prend le dessus, donc ça orientera peut-être le choix de ta voile. Si tu fais de temps en temps du volib mais tout le temps du paramoteur, et eh ben tu prends une voile paramoteur. Si tu fais des deux, ben, tu essaies d'en faire une qui fait un peu les deux, il faudra peut-être changer tes élévateurs. Si tu fais de temps en temps du paramoteur, ben, tu prends surtout une aile de vol libre qui acceptera de voler au moteur. Allez, une toute dernière question sur la voile. Euh, Stéphane nous demande quelle est la meilleure manière de stocker sa voile Est-ce que c'est plié Est-ce que c'est en boule mm -hmm. Ça, tu l'expliques bien dans, dans Wingmaster, dans un ouais. chapitre sur le pliage de la voile. Peut-être tu peux en dire un mot Oui, tout, ouais, tout dépend de la durée du stockage. Euh, si c'est un stockage que de, que de la nuit pour aller voler le lendemain, euh, ça n'a pas vraiment d'importance. Euh, ce qui est important, c'est plutôt dans quel état tu stockes ta voile. Il ne faut pas qu'elle soit mouillée, il ne faut pas qu'elle soit à côté du poêle à bois, il ne faut pas qu'il fasse moins 20. Faut pas il pas faut pas que ça reste dans le coffre de la bagnole avec 80 degrés d'humidité. Voilà, c'est plutôt sur des périodes courtes, le pliage, on s'en fout. C'est plutôt le, dans quel état est ta voile quand tu la stockes. Après, sur des plis, des stockages longs de plusieurs mois, alors là, il faut sortir la voile du sac, la mettre en boule dans des sacs rapides ou pas. Hein, vous trouvez n'importe quoi comme tissu, vous mettez ça sous le lit et pour pas que la, le tissu soit comprimé. Mais il y a, voilà, c'est tout. Merci Jérôme, on continue ce live spécial matériel, on a parlé de la certification, on a parlé des voiles, dans quelques instants on va parler des sellettes, avec Jérôme, notre expert euh, Wingmaster, euh, juste vous rappeler euh, le petit partenariat qu'on a avec cette entreprise au Savoyard, de chaussuresonline.com, qui vous offre 10% de réduction sur euh, la, sa nouvelle collection, n'hésitez pas à, à aller voir, pour tous les, les, les pilotes, ils offrent une 10% de réduction donc avec le code WING, et puis on a euh, René de, du site Rock Outdoor.com, allez-y. Il y a ces livres en promotion en ce moment, c'est hyper intéressant. Euh, dont les visiteurs du ciel qui est à gagner aujourd'hui avec tous les commentaires que l'on a reçus. On va tirer au sort une, euh, ben un de vos commentaires et puis euh, on offrira ce livre des visiteurs du ciel. Donc 5% de réduction avec le code euh, Wing 5. On a également une paire des lunettes, de, donc des paires de lunettes qui sont en promo en ce moment à 15% des réductions avec 5 modèles en promo et on vous fera gagner une de ses paires de lunettes euh, au prochain live, donc le site rocksoutdoor.com un site plein d'infos sur le parapente, plein de, de, de fiches techniques où Jérôme justement intervient également sur l'analyse an, d'incidents et puis euh, escapade on en parlait tout à l'heure, escapade pour euh, les voyages, c'est une agence de voyage spécialisée euh, aéronautique créée par une équipe de passionnés allez-y, euh, il y a encore de la place notamment pour des voyages en Andalousie au mois de septembre et au mois d'octobre et en Argentine au mois de décembre, super voyage on sera sorti du confinement on l'espère on commence à avoir le, 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 le bout des ailes qui frétille jérôme on a, on a envie d'y aller ouais, ben, il faut encore ben, rester ben, au ben, chaud on, hein. on, ouais, ouais, on est un peu coincé quoi voilà, et euh, pour continuer cette ce, cette, ce, cette soirée spéciale, ce live, on est ensemble depuis euh, presque 1h20, on va euh, vous parler euh, ben de Wingmaster, d'un épisode de Wingmaster, euh, on va vous montrer un extrait. Euh, Wingmaster, vous le savez, c'est cette masterclass qu'anime Jérôme. Euh, c'est 11 heures de vidéo, c'est 21 épisodes. Euh, il y a toutes les techniques du parapente. Ça a pris deux ans de tournage euh, en vol. Moi, j'ai installé jusqu'à 8 caméras euh, sur Jérôme. Ça permet de voir toute la gestuelle et toute la gestuelle non pas d'un prof qui vous donne des cours de parapente mais d'un pro euh, et de ses 30 ans d'expérience et vous pouvez voir en vol comment vole Jérôme il vous montre toutes les techniques les incidents de vol euh, les euh, erreurs à ne pas faire les choses qu'il faut faire il y a vraiment c'est vraiment très complet c'est hyper intéressant et ce qu'il y a dans cette masterclass jérôme on nous pose souvent la question on dit oui mais c'est pour les débutants et euh, en fait pas du tout la plupart des pilotes qui nous achètent wingmaster sont des gens qui ont 5 ou 10 ans d'expérience. On a même quelqu'un qui nous avait écrit, qu'il avait 20 ans de parapente et qui a, ouais. a pris plaisir à, à revoir toutes les techniques, qui avaient beaucoup changé. Tout à fait, l'objectif de Wingmaster, c'était de commencer du débutant, euh, quand on apprend, etc., jusqu'au pilote confirmé qui fait déjà du cross. Et bien sûr, ça s'adresse à tout le monde, pas qu'aux débutants. Euh, puisqu'on peut avoir de l'expérience en vol et le matos a évolué les techniques ont évolué on ne sait plus comment faire euh, par exemple ou simplement ce qu'on remarque c'est qu'on fait beaucoup de stages au début quoi beaucoup dans le sens on va faire un stage init un stage perf peut-être un deuxième stage perf et puis après euh, après il y a moins de choses après on apprend avec les potes on apprend en club etc et des fois il y a des grosses lacunes en fait on ne sait pas trop on entend euh, on voit on regarde des vidéos mais on entend, on entend des des, des sons de cloche comme si comme c'est donc là Wingmaster ça permettait de poser les choses euh, et donc ça va on va au cross on va aux incidents de vol on va sur du pilotage on va sur du cross euh, donc ça, ça va loin oui et puis il y a souvent quelque chose qu'on qu répète euh, nous autour de nous et euh, on le dit aussi de, dans Wingmaster euh, c'est peut-être le parapente le seul sport euh, aérien où il n'y a pas d'obligation de se former alors que euh, les pilotes du LM, les pilotes d'avion, de planeur, etc. ils ont une obligation de se former régulièrement euh, bien évidemment les pilotes de ligne, ça on le sait hyper régulièrement, mais euh, tout ce qui est dans le domaine aérien, il faut se former et il faut y revenir, et c'est pas parce qu'on a appris le parapente il y a 5 ans qu'on sait voler c'est bien de revoir des techniques parce qu'on peut prendre un mauvais réflexe et le garder c'est important de venir et avec Wingmaster c'est un outil il faut aller faire des stages également hein. ça c'est est oui. aussi aller sur oui, le terrain un, tout à fait c'est un complément aux formations ça peut être complément à un stage ça peut permettre quand vous avez une, une bonne expérience une belle expérience de comparer de vérifier euh, voilà donc c'est c'est super important et oui le, le parapente en France c'est géré c'est un sport hein. donc c'est pas du tout géré par l'aviation civile ce qui fait qu'il n'y a il y a aucune obligation à part d'être assuré en responsabilité civile après vous faites un peu ce que vous voulez, donc il faut quand même se former en fait, c'est indispensable de se former et de se former régulièrement toute la vie du pilote, c'est pas juste on fait un gros cycle de progression au début, puis après on se débrouille, c'est souvent ce qui se passe, et ça, ça manque là, il manque là des, des critères, de, des nouveaux critères, des techniques, euh, de savoir où on en est, etc., alors oui il existe, euh, brevets de pilote brevet de pilote confirmés etc qui font des étapes comme ça mais après le après ça c est, c est, c est, ces brevets ne sont pas obligatoires vous permettent de vérifier où vous en êtes euh, mais et 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 voilà il faut il faut les il faut un support pour vérifier où vous en êtes c'est intéressant oui. Allez Jérôme, on regarde justement un extrait de Wingmaster. Oui. Pour euh, ceux qui connaissent euh, Wingmaster, bah, vous l'avez déjà vu, vous connaissez bien. Euh, Peut-être que pour d'autres, euh, bah, vous connaissez la technique. Mais tu nous montres une technique très particulière. C'est un petit extrait du chapitre 3 qui est le début de toutes les techniques de pilotage. Hein, c'est l'initiation au pilotage, on va dire, ce chapitre 3 où tu montres toutes les techniques de base. Euh, et là, c'est sur la garde des freins, hein, c'est ça. Voilà, donc là c'est pour vous montrer comment on vérifie la garde des freins. Et là, on amène quelque chose qui est très important, c'est qu'en général, la garde des, la garde des freins, se, la plupart des pilotes le font bras haut. Vous avez environ 10-15 cm nécessaires avant d'agir sur le bord de fuite. Et là, je vous montre que la garde des freins se vérifie en étant accélérée à fond. Pourquoi parce que euh, le, le débattement des accélérateurs a vachement évolué, a vachement progressé, a vachement augmenté euh, depuis des années, même avec des voiles de loisirs. Ce qui fait que quand vous accélérez, le bord de fuite remonte. Et donc, vous avez besoin d'accélérer toujours d'une garde pour pas que votre bord de fuite soit euh, tiré. Ce qui fait que bras haut, les gardes sont de plus en plus grandes, environ euh, 10-15 cm. Euh, et, et les gens me disent oui, mais moi, les, les commandes sont trop longues. Donc, je veux les raccourcir. Et non, il ne faut pas. Il faut changer la manière de tenir les commandes et pas raccourcir la garde. Voilà. Donc, on, je vous montre sur cet extrait comment on, comment on s'y prend. Allez, on regarde l'extrait on en parle après. En tant que pilote, il est nécessaire de vérifier la garde de ses freins. La garde correspond à la distance qu'il y a entre le haut de la poignée et la poulie ou l'anneau qui est fixé à l'élévateur arrière. Pour vérifier, c'est ça. Je prends la commande de frein en air calme, en vol stabilisé. Je prends la commande au-dessus de la commande avec le pouce et l'index. Je regarde le bord de fuite et je vais tendre la drisse de frein, voilà, jusqu'à obtenir la tension de toute ma ligne de frein. Ça, c'est ce qu'on fait. Pour vérifier la garde des freins. Mais je vais vous montrer qu'il faut aussi vérifier cette garde de frein en étant accéléré à fond. Pourquoi Parce que quand on accélère à fond, le bord de fuite se relève et donc a tendance à tendre la drisse de frein. Donc si on a une garde de frein en étant bras haut trop petite, quand on va accélérer, le bord de fuite va être freiné. Donc une fois que j'ai vérifié bras haut, je vérifie aussi en position accélérée. Donc là j'accélère à fond. Je viens mettre en contact. Mes deux poulies, voilà, je suis accéléré à fond et je vais faire le même mouvement. Je tire et regardez, ma garde là est beaucoup plus petite avant que je tende les freins, mais il faut qu'il y en ait une, elle est suffisante. Donc là j'ai une garde, le bord de fuite n'est pas tiré quand j'accélère à fond, donc c'est bon voilà on a vu euh, cet extrait jérôme euh, important et comme tu le disais c'est des choses qui ont évolué ça aussi avec, euh, avec à euh, les voiles récentes les voiles modernes voilà. on faisait et pas ça comme ça et... avant ben avant c'était pas nécessaire parce qu'il y avait pas les accélérateurs étaient moins grands donc euh, ça remontait pas trop le bord de fuite donc la garde de départ était était souvent suffisante et plus faible en fait et donc ça amène euh, donc il faut vérifier ça ça amène plusieurs thèmes hein, donc euh, ne pas raccourcir les commandes de frein euh, quand les voiles arrivent des marques mais plutôt changer votre manière de tenir les commandes de frein hein, euh, demi-tour de frein ou, ou commande en dragon voilà, et voilà, on va pas développer ça puisque ça c'est un autre thème de live. Mais par contre, ça revient sur une question qui était arrivée, c'était euh, sur un frein, euh, quelqu'un posait une question, on a essayé oui, je, sa voile. Je peux te la relire, euh, oui. Oui, ben voilà, c'est ça, euh, Patrice qui nous disait, euh, j'ai une question concernant la garde au niveau des commandes, j'ai acheté il y a un peu moins d'un an une Epsilon 9-9, depuis j'ai fait une cinquantaine de vols, j'ai fait un sieve, lors d'un gonflage, le... un pilote a essayé ma voile, il a vu que la garde au niveau des commandes était très courte. Que faire Faut-il la faire vérifier alors, euh, alors, moi je poserai déjà la question qu'est-ce que ça veut dire très courte en fait Voilà, il faut être plus précis. Que ça, est-ce que son gonflage est gêné? Il faut que toi, Patrice, tu vérifies en vol. C'est pour ça que les images là elles, sont, elles, aident, elles aident à ça. Comment vérifier ta garde en vol? Il faut que tu aies une garde bravo, une garde accélérée à fond. Donc, ça, c'est pas très compliqué à faire. Le deuxième truc, c'est si euh, ta voile, si elle a un an, euh, si elle est neuve il y a un an, normalement dans une voile, tu vas la réviser au bout de deux ans quand elle est neuve. Hein. Ça sert à rien de mettre le nez dedans, euh, c'est très solide. Si c'est une voile d'occasion que tu as acheté et qu'elle a déjà et qu'elle qu a passé un an. Et 50 heures de vol. Oui, si tu as un doute, tu peux faire vérifier ta voile. Et dans la révision de voile, il y a souvent il y a le, la mesure de la drisse de frein, parce que la drisse de frein se, ré, se raccourcit énormément et surtout si vous appuyez jamais sur vos commandes, ça a tendance à vachement rétrécir mais vachement, c'est-à-dire 5, 6, 7 voire plus centimètres euh, c'est énorme, hein. et donc euh, les, les drisses de frein sont changées pour reprendre la garde d'origine, voilà, donc euh, oui tu peux faire réviser ta voile si tu as un gros doute et vérifier toi en l'air si tu si as toujours une garde suffisante on a également eu une question avant de passer au cocon, euh, pardon, pas au cocon, au célette je pensais oui. à la de cocon dont on va parler, une question sur les tissus, est-ce qu'il y a une différence significative entre les tissus euh, Porsche, Skytex et les Dominiques? Alors euh, c'est vrai que maintenant il euh, y a euh, le, le, le tissu a, euh, les tissus ont, é, ont évolué souvent sur les marques. Il y a quelques années on avait des marques il y avait d'autres marques qui existent plus maintenant, le Tejin, le euh, Sophie etc. Maintenant, les, les deux gros tissus, quoi, les, les deux gros volumes de tissus, c'est Porsche euh, en France et Dominico en Corée. Euh, donc, et, et y a, on voit les évolutions. C'est que certaines marques étaient emportées, sont passées 100% dominico, hein, par exemple. Donc, les deux tissus sont très bons. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des voiles euh, qui utilisaient le dominico il y a 10 ans déjà, même plus, 15 ans. Mais ils les appelaient pas dominico. Ça s'appelait, euh, ils étaient des, des noms. Euh, on ne savait pas trop ce que c'était, mais le Dominico est utilisé déjà depuis très longtemps. Pour plusieurs raisons. Déjà, il est un petit peu moins cher et il a, a d'excellentes caractéristiques suivant euh, les endroits où il est utilisé. C'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de voiles où on peut avoir par exemple un extrado en Dominico et un intrado en Porsche. Parce que qu'on ne demande pas les mêmes caractéristiques de tissu. Les caractéristiques, c'est le poids du tissu, c'est sa résistance aux UV. Euh, à la déformation, etc. Donc maintenant, il y a beaucoup de voiles, euh, de plusieurs marques, beaucoup de marques utilisent des mixtes de tissus Dominico-Porché à l'intérieur de la voile, euh, intrado-extrado. Voilà. Et il y a des voiles qui utilisent 100% Dominico et d'autres 100% Porché. Merci Jérôme. Euh, tu, euh, on aborde le, le, les questions du, de la Cédette. Euh, par, par exemple. Par exemple, il y a ce, en parlant du matos, la Cédette euh, hyper important aussi le choix. Et pour commencer à en parler, on avait euh, une petite question dans notre liste euh, longue de questions. Attends, je suis en train de la retrouver. Bah, je l'ai perdue. Très bien. Eh bien, je vais te la, te la poser euh, oui, comme ça. C'était les avantages cocon. Voilà, euh, exactement c'est ah, la, la voilà. question classique plein de bah d'ailleurs on, on on nous l'a aussi euh, posé euh, donc c'est ça les concours sont très à la mode quels sont les avantages et les inconvénients alors euh, c'est pas que c'est à la mode, hein, c'est que on en voit de plus en plus. Et il y a, alors il peut y avoir une question de mode, mais maintenant ça peut être un choix en fait. Donc c'est toujours pareil, il faut définir ce dont on a besoin en tant que pilote pour voir si euh, le cocon a euh, si on peut utiliser les avantages du cocon. Alors quels sont les avantages et inconvénients du cocon Les avantages, ça vous protège du froid. Euh, on, est, on, va avoir, euh, on va avoir une position euh, globalement sur le cocon plus confortable. Euh, voilà, c'est les deux critères de d'avantage. Euh, les inconvénients du cocon, c'est que ça oblige à apprendre à le mettre, euh, à le mettre, c'est-à-dire à le chausser et à l'enlever, à, à le chausser avant de décoller, euh, à le chausser après le décollage et à, et à l'enlever avant de poser. Euh, un, un des inconvénients aussi, c'est que dans des aérologies très turbulentes, ça va accentuer les mouvements de lacets du pilote donc ça il faut en tenir compte des fois quand c'est très turbulent il faut lâcher le cocon lâcher les jambes en fait pour se retrouver assis euh, voilà il euh, n'y a pas trop de il a plus d'inconvénients maintenant au niveau du poids à une certaine époque oui mais maintenant on peut avoir des sellettes cocon plus légères qu'une sellette classique donc la question du poids et du volume ne rentre plus trop en jeu maintenant puisqu'on peut avoir du très light en cocon et du très lourd exactement comme des sellettes classiques ça demande un apprentissage et il y a aussi un, un avantage c'est que ça va être pour de la performance plus aérodynamique euh, sur des vols longs et tout voilà on va retrouver un confort non négligeable donc c'est à toi en tant que pilote de savoir si tu as besoin de ces avantages là tout en tenant compte des inconvénients hein donc il faut vraiment définir ta pratique à quoi ça sert euh, voilà, euh, c'est l'aide classique. Tu peux avoir un calpier, par exemple, qui va reposer un peu tes pieds parce que voler très longtemps, euh, les jambes pendantes, on, a, on finit par avoir très froid aux genoux et surtout mal aux genoux. Sur plusieurs heures, on peut avoir très mal aux genoux parce qu'il est en hyperextension en permanence. Ça peut être fatigant. Euh, donc, à vous de définir euh, ce dont vous avez besoin. Un autre inconvénient du cocon, c'est que vous devez gérer la position jambe tendue, puisqu'on vole toujours jambe tendue, pas verrouillée tendue, hein, mais plutôt tendue. Et il faut verrouiller cette jambe-là avec l'utilisation de l'accélérateur. Donc, ça demande un petit peu de pratique pour ne pas s'emmêler les pieds, en fait, et pour que l'utilisation de l'accélérateur soit efficace. Euh, voilà. Je, je pense. Ça, tu as un, il y a un chapitre assez intéressant sur, sur les sellettes dans Wingmaster qui fait 45 minutes euh, où tu montres voilà. tous les types de sellettes et notamment comment, comment, on, les rend, comment on les utilise, ouais. comment on rentre dans un cocon, comment on s'installe, comment on utilise l'accélérateur. Et il y a, il y a ce qui peut aussi être en parallèle avec cette question sur les cocons. Il y a ces histoires de avec planchette ou sans planchette. Oui, c'est les, les questions, questions qui reviennent là d'ailleurs justement. Qui reviennent. Et euh, donc, planchette ou cuissarde, en fait, que vous soyez en compétition, que vous soyez en montagne, en loisir, etc. Vous pouvez très bien avoir une sellette à planchette ou à cuissarde. Euh, donc, c'est sûr que si on va vers de l'ultra light, euh, on n'aura pas de planchette puisqu'on va enlever le poids de la planchette. Mais sur du light, par exemple, vous pouvez avoir une sellette qui est très rigide avec des mousses sans planchette. Et un des avantages, c'est que ça va. Être moins lourd et euh, moins volumineux au pliage. Hein. Voilà les des critères pourquoi il faut des cuissards. Donc il ne faut pas penser qu'en cuissard c'est tout mou et qu'on sent rien. Maintenant avec l'évolution des matériaux et surtout les matériaux utilisés sur les sellettes de loisirs sans planchette, on est plutôt très bien tenu dans la sellette. On peut avoir, alors on va oui avoir moins d'informations de la voile parce qu'en bas un petit, ça se déforme un peu plus. Avec des cuissardes qu'avec une planchette. Mais euh, si c'est pour ça que le choix de la voile va aussi avec la sellette. Si vous avez des voiles qui sont plutôt maniables et qui s'utilisent bien à la commande, une planchette est moins nécessaire euh, en tant que sellette. Si vous avez des voiles qui sont euh, très basiques, euh, pas basiques, mais très amortis sur les axes de roulis, oui, une, une sellette classique à planchette peut euh, améliorer un peu la maniabilité. Mais bon, avant d'avoir besoin d'une grosse maniabilité scellette, il faut se demander si on utilise assez de débattements de commande pour tourner, si on tourne assez le volant. Hein. Euh, une question justement de Jean-Claude sur euh, le cocon, qui il hésite à passer au cocon alors qu'il vole avec un cal pied tout le temps, jambe tendue. Est-ce que tu as des petits conseils Et ben on, peut, on peut dire qu'il faut qu'il faut qu il, qu il voit s'il a... Quels avantages va-t-il passer au cocon Il y a un truc qui est bien sur niveau adaptation, c'est qu'il a déjà une position qui lui permet d'être jambes tendues, qui connaît, donc ça, ça sera une adaptation déjà plus rapide. Et juste, je voulais mettre, euh, j'ai oublié de dire un truc au cocon, on pense souvent que ce sont des sellettes où on est allongé. Pas du tout. En cocon, on vole très droit, le dos très droit, comme des sellettes classiques, mais on a juste les jambes tendues. Hein. On n'est pas du tout couché en arrière parce que ça, c'est un des, une, une des problématiques en parapente. Si on a le dos trop en arrière, trop inquiétant vers l'arrière, ça va poser des problèmes en incident de vol, on va être trop déséquilibré, donc on va s'appuyer sur les commandes, donc on va surpiloter. Et des questions qui reviennent également récurrentes sur les, la sellette euh, mousse bag ou airbag. Voilà, donc ça, on, là on parle de protection sur les sellettes, mm -hmm. c'est pareil, il y a avantages et inconvénients. Euh, c'est sûr que euh, le, on voit l'airbag plutôt, a plutôt tendance à avoir pris énormément de place. Euh, L'avantage de l'airbag, c'est que vous avez une grosse épaisseur de l'airbag, donc une très bonne absorption du choc. Euh, mais il faut que le choc soit dans l'axe de l'airbag. C'est-à-dire que l'airbag n'aime pas les chocs euh, de travers. C'est-à-dire qu'on dit que l'airbag déchausse en fait. Euh... L'avantage de l'airbag, c'est que quand vous pliez votre sellette, elle est légère et elle n'est pas volumineuse du tout au pliage. C'est un, un sacré critère de, de choix pour l'airbag. Il euh, y avait aussi à un moment où le, les airbags ne gonflaient pas assez vite ou n'étaient pas préformés après le décollage, ce qui fait que ça s'était remis en cause après le décollage. Si on n'a pas d'airbag, ça ne protège pas. Maintenant, les airbags sont préformés, ce qui fait que juste avec la course d'élan et le peu d'air qu'il peut y avoir au décollage, suffit pour avoir la protection minimum après le décollage. Les mousses, elles... Pour avoir une bonne protection, il faut que les mousses soient épaisses. environ 17 cm, ce qui est gros, hein, 17 cm. Euh, donc c'est beaucoup plus volumineux, plus lourd, etc. Et ça peut être peut-être plus utilisé des fois en école où le, où le matériel est vachement sollicité, frotte par terre et tout. Donc on peut avoir un choix euh, de mousse plutôt qui est un peu plus résistant avec des protections de célèbres quand elle frotte par terre, etc. Après, en, pour votre matériel propre, je pense qu'il y a une orientation vers l'airbag, mais ça reste un choix personnel. Il faut savoir maintenant, il y a un truc qui a évolué aussi, c'est que les mousses sont des EPI, des éléments de protection individuelle. Donc il y a une... les mousses dans les sellettes doivent être homologuées, certifiées. C'est pour ça qu'on ne trouve plus des petites mousses qui font 3-4 cm, ça c'est pas de mousse. C'est pour ça que les mousses homologuées sont épaisses et les airbags aussi sont épais. Et après on peut aussi avoir le choix, j'ai vu qu'il y, y a aussi des, des nouvelles mousses qui sont apparues, là, des mousses beaucoup plus rigides. En fait, plus rigide, donc là euh, plus petite en volume, mais plus rigide. Donc l'inconvénient, c'est que ça se plie moins, mais elles sont moins volumineuses, donc on s'y retrouve. Et elles sont aussi homologuées, c'est des, des mousses très compactes et qui peuvent, euh, qui peuvent aussi euh, permettre d'avoir des sellettes à cuissard parce que la mousse va faire la rigidité de la sellette Donc la planchette sert plus à rien, en fait. Hein, ça aussi, c'est des critères dans vos choix. Euh, en général, on a des. Avec les airbags, ça permet aussi d'avoir des sellettes sacs réversibles. Elles sont plutôt airbags, c'est-à-dire votre sellette fait aussi le sac, donc on gagne aussi le poids du sac. Euh, voilà. Et on a aussi des sellettes où il y a un mixte entre mousse et airbag. On a un airbag intégral qui fait toute la, la surface de la sellette sous les fesses et dans le dos, et on va avoir une petite mousse autour du parachute de secours, autour des, du dos. Voilà. Donc on a pas mal de choix. Euh, donc il faut, pareil définir ce qui est important pour vous. Si c'est une question de poids, vous allez vous orienter sur l'airbag. S'il n'y a pas de question de poids, vous pouvez vous orienter sur la mousse bag, sur le mousse bague, voilà. Michael nous dit justement, j'ai changé pour un mousse bag parce qu'au déco, justement, quand tu te fais arracher et que tu retombes, il ne te protège pas du tout, et sachant que les accidents sont très souvent au déco. Euh... Alors oui et non, c'est-à-dire que la question c'est comment, moi je te dirais euh, comment ça se fait que tu te fais arracher à chaque fois, c'est-à-dire si tu as choisi ton matériel par rapport à ta, à ta manière de faire ou à ce, à ce qui t'arrive a priori de manière récurrente. On peut orienter pareil, garder un airbag parce que c'est moins volumineux et que même maintenant les airbags protègent même quand tu fais du gonflage au sol, etc., parce qu'ils sont préformés, et faire euh, évoluer ta technique pour moins te faire arracher. Hein, c'est un petit clin d'œil est-ce que euh, philippe nous dit qu'il existe des sellettes avec une protection gonflable? Oui, tout à fait. J'ai oublié d'en parler, euh, bien sûr. Il existe des sellettes. Alors ça, c'est arrivé avec les marchés-vols en compétition. C'est parce que le, la il faut une protection euh, en marché vol dans les compétitions. Euh, certaines, pas toutes. Et donc, et pour gagner du poids et du volume, il y, avait cette, il y a eu sur le marché arrivé la protection. Euh, c'est pas comme un airbag. C'est un truc qui se gonfle avant de décoller ou en vol. Euh, soit avec un sac spécial, le sac de compression serre de pompe, soit ça se gonfle à la bouche. Plusieurs marques proposent une protection gonflable, oui, tout à fait, qui est très légère et efficace. Jérôme, on a une question un petit peu plus euh, conséquente. Euh, si tu es prêt, il y a Sébastien qui a acheté par livraison une sellette d'occasion sur le bon coin avec des maillons dont il ne connaît pas le vendeur. J'utilise un secours ventral et j'ai préféré le fixer sur la sellette avec mes Codenect Dynema ne voulant, voulant pas prendre de risque avec les maillons en place. J'ai fait quelques vols tranquilles, pas de problème, mais j'ai du mal à me dire que je vais connecter le ventral, ou le maillot en, la, le ventral au maillon en place dans le cas où ça lâche. Ça n'arrive jamais, m'a-t-on dit, mais il existe une vidéo sur YouTube en Inde, un accident mortel, un bic un maillon, euh, voilà effectivement j'ai vu cette vidéo, il y a un maillon qui pète, c'est assez impressionnant, euh, puis-je faire tester les maillons, est-ce que je connecte mon ventral au maillon vendu avec la sellette s'ils ont tenu sur quelques vols tranquilles, merci. Alors euh, je m'en rappelle plus. Il y a un live où on parle avec le secours, on parle des maillons. Donc ouais. tu regarderas, tu auras, auras d'autres informations. Donc euh, je te dirai pareil. De quoi as-tu besoin toi pour voler rassuré en fait Moi je trouve, je trouve étonnant que tu arrives à voler avec une voile euh, sous laquelle tu t'inquiètes des maillons. Euh, C'est les seuls points d'attache et tu t'inquiètes de ces maillons. Moi le moindre doute, ça coûte 20 euros pièce. Euh, je les change. Et puis, tu, et puis ton, ton truc est résolu en deux temps trois mouvements. Euh, mais, et de dire que je fais des vols calmes, j'attache, c'est rare que ça pète et tout, euh, moi je ne pourrais pas voler, je ne sais pas comment pourrait être mon état d'esprit avec ce, cette case qui est là, oui ça peut péter mais euh, ça pète pas souvent, voilà. Non, ré, résous le problème d'entrée, change de maillon et tu n'en parles plus. Euh, voilà. Réponse simple. Voilà, voilà, oui, oui. change de maillon si ça t'inquiète quoi. En parlant de maillons, je... alors en oui. changeant de maillon, tu peux soit prendre des maillons rapides à vis euh, qui cela ne péteront jamais, soit des mousquetons automatiques en aluminium euh, qui sont voilà, euh, soit des, des mousquetons automatiques en acier. La question est-ce que ils sont Testables euh, non, je crois pas. Alors, en, en mousqueton escalade, je crois qu'on peut les tester, mais bon, euh, vu le prix euh, des maillons et tout, euh, je ne sais pas s'ils sont en alu. S'ils sont en acier, ça ne sert à du tout à rien de les tester parce qu'ils sont incassables. Euh, tu n'arriveras pas à, les, à, les, à la rupture. Et si c'est en alu et que tu as un gros doute, tu les changes. Alors Jérôme justement en parlant de maillon, j'ai une question. Et oui, euh, oui. voilà, la question ah. du jour, ça c'est un maillon en allu hein, on est d'accord Ça c'est un mousqueton hein, C'est un vrai. mousqueton, voilà, mousqueton, mousqueton en... automatique en Zicral de tonne 2 ou de tonne 3, je pense. Merci spécialiste, waouh. donc moi j'avais ça sur sur ma sellette ancienne, classique. Donc ça c'est bien hein, ça a l'air ça me rassure, c'est du c'est eh oui. métal, c'est bien, c'est solide. Et puis voilà, bon. je suis passé <laughs> en version sellette light et aujourd'hui, à la place de ça, euh, j'ai reçu ma sellette il y a pas très longtemps. On propose ça, euh, Jérôme. C'est un voilà. bout de, de tissu en, en dinéma, c'est ça euh, Voilà, as de la chance. Hein. Ouais, c'est ça. Et on me dit, je dois me connecter ça à ma sellette, donc mon poids, hein, 92, et puis ma voile au-dessus, et ça va tenir avec ça. Euh, voilà. Franchement, j'ai envie de remettre ça. Moi, pas envie, je pas. Je... Oui voilà, je me demande si je vais laisser ça. Qu'est-ce qu que tu me conseilles Alors, eh ben, je, 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 pareil, je te dirais de quoi tu as besoin en vol si De y a ne pas un... avoir Le... peur voilà d'être rassuré donc ouais, si, si le, le mousqueton euh, Zikral te rassure mais ben tu mets avec ça par contre parallèlement tu peux te renseigner sur ce qu'on appelle un connect c'est en connect en dinéma mais là qu'on qu qu voit apparaître depuis quelques années en parapente mais qui est utilisé depuis des années en chute libre hein. les il y a plus de maillons rapide en haut c'est que des, des connect en dinéma euh, entre les suspentes et les élévateurs euh, donc le dinéma les deux que tu montres ont exactement la même résistance même le truc en dinéma est plus résistant que le, le maillon des Déjà, ça, c'est le, le, le tissu ouais. est plus résistant que ça. Quoi. Ouais, le tissu, le dynamo, ouais. Dynamo, le, oui, le, oui. Ce, ce qui est blanc là. C'est plus résistant et, sur, et surtout, tu gardes ça, la ça, résistance ça, ça, dans alors. le temps, ça ne va, ça va pas s'abîmer, alors que le maillon, à un moment, avec les chocs et tout, il faudra peut-être le changer. Euh, voilà ce que je veux dire. Mais euh, ça, c'est de la théorie, c'est de la connaissance des résistances des matériaux. Le truc, c'est si tu n'arrives pas, euh, et c'est normal en tant que pilote, à assimiler cette résistance des matériaux, à te l'approprier, tu ne seras pas rassuré. Donc, mais ce qui te rassure. Sinon, ça va te prendre la tête tout le temps quand tu voles. Quand tu vas voler, ça sera un truc qui te gêne. Donc, ça demande oui, une démarche personnelle de, de savoir. Peut-être d'aller voir, euh, d'aller le faire casser ce truc-là. Peut-être que ça va te rassurer, mais ça va être difficile de le péter, de trouver l'endroit où on va pouvoir te le casser. Quoi, hein. Deux tonnes et demie, hein. Voilà. Euh, ce qui, alors avantage et inconvénient parce qu'on peut le dire, c'est avantage et inconvénient du, 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 du connect en dinéma, c'est que le connect en dinéma, c'est bien quand vous, avez pas, quand, quand, quand vous volez que vous n'êtes pas toujours en train d'enlever vos élévateurs à la voile, Voilà, vous n'êtes pas toujours en train de changer de matos et vous avez toujours des manips sur le, sur le mousqueton sur, le, sur cette attache, il vaut mieux un mousqueton parce que la, la manip est plus simple le connect, c'est pas compliqué du tout mais ça prend un peu plus de temps Voilà, bon, ça je... prend en gros 10 secondes de plus quoi Ok. Bon, j'essaierai, euh, Jérôme. Jean Bonneau me dit ne vole pas avec ah. ce truc Seb. Je pense que son ami Vincent euh, lui a dû lui souffler à l'oreille qu'il fallait pas voler avec non, ça. Tu... Bah c'est ça... très bien. Pour... Les, les gens en montagne qui laissent leur voile attachée au, au, à la voile, c'est super ça. Le truc, c'est que les connects peuvent aussi servir à la liaison euh, élévateur secours secours. Hein. Ça c'est super, hein. c'est le truc comme ça. Vous savez que c'est un ça pèse 12 grammes, ça coûte pas cher et ça bouge plus. Hein. Voilà. Et attends, du coup j'ai des questions pièges qui arrivent maintenant. Ah bah oui. Du coup, ah euh, oui. c le matériau nous dit euh, Bombero, là, le matériau, ok, mais il y a des coutures. Non, non, les, alors il les, n'y a pas du tout de résistance sur les coutures. Les, la résistance, c'est une épissure, c'est pour ça que c'est on, on rentre dans la connaissance comment il fait un, un, un connect en dinéma Regardez sur le net, c'est très facile. Moi j'ai fait plein de connect en dinéma et vous achetez un bout de dinéma de 50 cm et vous vous faites des connect qui résistent à deux tonnes et demi sans couture, hein. c'est pas très compliqué. Hein. Il faut faire juste un, ce qu'on appelle un nœud de Bosco et une épissure et vous avez des trucs extrêmement résistants, c'est ce qui est utilisé euh, en navigation. Depuis très longtemps, tout ce qui est cordage et tout, c'est extrêmement solide. Donc les, la couture ne fait pas la résistance. La couture est juste là pour que l'épissure ne glisse pas. Mais la manière dont c'est fait, il y a très peu de chances que ça bouge la couture, c'est-à-dire quand il n'y a pas de tension dessus. Dès qu'il y a de la tension, c'est l'épissure qui travaille, c'est-à-dire un resserrement d'un membre, d'un brin de dynéma qui rentre à l'intérieur. Et, et plus vous tirez, plus ça sert. Donc la couture ne sert absolument à rien au niveau résistance. Bon, Eval me conseille de mettre les deux, hein, carrément. Oui, je vais même, même peut-être en mettre quatre, comme ça au moins on est tranquille. Voilà, alors après <laughs> c'est pareil, il y a des pilotes qui préfèrent doubler tout le matériel, mais vous pouvez le doubler, tripler, quadrupler à l'infini. À un moment il faut s'arrêter du matériel, faire, faire confiance à ce matériel s'il est adapté et, euh, et, euh, et essayer d'apprendre. Comment ça fonctionne À combien ça résiste Parce que quand on dit, oui, ça résiste à 2 tonnes, mais il y, y a plein de pilotes, ils ne savent pas ce que ça veut dire, 2 tonnes. 2 deux tonnes, c'est deux, euh, deux voitures citadines hein, en poids. Deux voitures, hein, et vous, vous pesez 80 kg. Vous voyez la différence Donc, il faut aller euh, se dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec un maillon qui résiste à 2 tonnes Voilà. Merci Jérôme pour ces conseils. Euh, une question de David qui lui parle de sellette. Il dit qu'il a une sellette de ses Gliding, une gii 3 euh, Les sangles de cuissard n'arrêtent, c'est ça, c'est le nom Comment tu dis Les sangles ouais. de cuissard n'arrêtent pas de se dérégler. Est-ce que il ouais. peut faire une couture sur les sangles pour bloquer le réglage Alors est-ce qu'on peut toucher le matos comme ça Et euh, oui. quelqu'un d'autre lui avait répondu euh, de préférence les caler par des élastiques, c'est mieux. Euh, au cas où il y aurait Alors, besoin de faire d'autres réglages là en fait il a besoin que son réglage de, ne bouge pas en fait Donc, c'est le rab le de la, le, 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 le la sangle de la cuissarde qui est après la boucle il faut mettre des arrêts donc tu peux très bien Mettre une couture dessus, ça va faire un. un ça s'arrêtera dans la boucle, ira pas. Tu peux aussi, euh, euh, des fois, si tu as un rap qui est très long, moi je faisais carrément un nœud, hein, tu fais un nœud plat, puis une fois que tu as ton réglage qui bouge plus, tu peux faire un nœud. Euh, tu peux mettre des élastiques aussi, il faut mettre quelque chose qui coince, en fait. C'est justement quand il n'y a pas énormément de tension, une tension très douce, très régulière, où ça peut se défaire tout seul. Donc oui, tu peux faire des coutures. Si tu as le moins de doute, tu demandes à un contrôleur de te faire euh, trois points de couture. C'est ce qu'on fait sur les trims, euh, sur les trims en bip. Place, etc., pour limiter ou sur, des tri sur les réglages de hanches, des, certaines sellettes, ça se défait. On, met, on fait des coutures, oui. ça ne pose pas de problème. Donc, euh, pas, pas de, partie de, 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 de critères de couture, il n'y a aucun souci. Quoi. On n'abîme pas bah le là, matériel, il n'y a la, pas de, la... de, de fragilisation euh, du matériel. Si, il y, y a une fragilisation, mais elle est, elle est ridicule puisque la sangle elle doit résister à plus de 3 tonnes. Donc, même si tu fais une petite couture dessus, c'est juste faire un relief. Sur la sangle, c'est juste ça. C'est pas, c'est même pas, après, oui, tu pourrais même coudre la, la, la sangle, faire un, un, un rebord comme ça de sangle, mais ça veut dire qu'après, tu bloques carrément ton réglage. Donc, euh, faire une couture n'empêche pas de desserrer complètement. Ouais. Alors après il y a des gens qui nous disent jérôme pour les sellettes, qu'ils ont du mal à s'installer dans les sellettes euh, là j'ai quelqu'un qui me disait qu'il fallait euh, mettre euh, il, a, il, il fallait le calpier pour qu'il s'installe euh, d'autres personnes qui, qui ont du mal alors je ne remonte pas tous les messages mais il y en a plusieurs euh, ouais. euh, voilà et euh, un certain Guillaume C nous dit tu peux essayer une bascule <laughs> complète avec les pieds au dessus de ta tête très bel exemple dans wingmaster merci Guillaume c'est exactement alors... ça. Salut Guigui. Hein, coquin, je suis content que tu sois là. Euh, donc, alors pour l'installation de la sellette, il y a plein de facteurs qui font qu'on n'arrive pas à s'installer la sellette. Le premier, je vous donne juste l'ordre chronologique, on, on met beaucoup de priorité sur le décollage pour courir. Donc pour courir, il ne faut pas que la sellette gêne. Donc on resserre les bretelles et la sellette remonte vachement dans le dos. Voilà, et on ne peut pas s'installer. Donc premier truc, êtes vous sûr que vos bretelles soient desserrées à fond. Ou beaucoup, et c'est pour ça qu'il y a un petit clip là devant, là au niveau de la poitrine, pour même si les, les bretelles sont desserrées à fond, pour pas qu'elle qu vous glisse le long des bretelles. Voilà, donc vous desserrez vos bretelles, ensuite vous serrez vos cuissardes euh, un petit peu. Euh, ensuite, oui, la manière dont vous êtes habillé. Euh, la manière dont vous êtes habillé peut gêner un petit peu par rapport au revêtement de la sellette, comment c'est fait et tout, ça peut frotter un petit peu. Après oui, le calpier peut servir à s'installer euh, puisqu'on va mettre les pieds dessus, on va appuyer dessus et ça va mettre votre corps au fond. Donc pensez à ça, les bretelles, deuxième truc, la ventrale. Si la ventrale est trop serrée, ça va vous gêner pour vous installer, ça paraît bizarre, mais si elle est trop serrée au gonflage, rappelez-vous. Euh, vous allez vous tenir droit en fin de gonflage la voile va vous monter la sellette dans le dos, toujours pareil, et vous n'allez pas pouvoir faire votre appui ventral et, parce que la sellette est trop, haute, donc pareil que le, que le fait d'avoir les bretelles trop serrées, c'est votre, votre sellette qui remonte et vous allez vous retrouver avec la planche dans le dos, donc là pour vous installer il va falloir lâcher les commandes, c'est tout un bazar euh, c'est pour ça que, que la position, la posture de décollage en appui ventral permet de bloquer la sellette en bas en fait et ça, ça va vous aider pour vous installer. C'est-à-dire que vous allez passer d'un appui ventral à une bascule arrière tout en douceur et que la, la planchette va rester basse. Voilà, voilà des petits critères d'installation de sellettes. Ça peut, vouloir, ça peut venir aussi de certaines sellettes, alors je ne vais pas dire lesquelles, mais qui datent un petit peu, qui étaient utilisées en école, qui existent toujours, et on avait la planchette en fait qui remontait dans le dos pendant qu'on faisait le gestuel, c'était sur les petites tailles et c'était vraiment l'enfer à s'installer parce qu'on décollait comme ça et avant de décoller il fallait faire ça, mettre la planchette comme ça dans le dos pour qu'elle reste comme ça. Mais on, ça, ça, on voit plus trop ça. Et on a euh, Jean Bonneau alias Damien qui nous dit moi j'avais du mal à m'installer avec l'Altirando 3 de Super et qui est revenu euh, pas mal là dans les commentaires euh, sur l'installation euh, difficile. Un jour euh, mon ami Vincent m'a dit de resserrer les cuissards d à fond et depuis plus aucun souci. Voilà, c'est, c'est, ça peut être un critère. C'est pour ça, n'essayez pas, au lieu de, de, chercher toujours quel gestuel vous pouvez faire pour vous installer, essayez d'autres réglages de scellettes, c'est-à-dire régler votre scellette basse basse, que, vous, que, la, que la planche vous tape dans les cuisses. Alors vous allez dire, mais comment vous faites pour courir Mais rappelez-vous, live numéro 3, pour courir il faut pas mettre le pied en avant, mais il faut mettre le pied derrière vous, c'est-à-dire qu'on ne court pas comme autour d'un stade, on ne cherche pas à lever les genoux, c'est pour ça qu'on s'en fout que les, que les cuissardes soient desserrées pour courir en parapente. Vous serrez vos cuissardes pour tenir votre sellette basse. <laughs> Une question de Stéphane qui demande peut-on compresser un mousse-bag euh, quand on le range oui tout à fait alors après on a la possibilité si vous voulez vraiment gagner du volume dans votre sac de pliage vous pouvez enlever le mousse bag si vous avez bien un mousse bag hein, c'est à dire un mousse bag ça va être une mousse qui se remplit d'air en fait donc quand vous l'enlevez et, et certains vous pouvez mettre une sangle autour vous le comprimez vraiment très très fort très très fort pour gagner du volume mais ça va vous demander avant de décoller de le remettre dans la sellette ça vous demande des manip en plus les, les mousses qui sont très rigides c'est pas la peine on, on va pas chercher à les comprimer c'est pas possible mais comme elles sont plus petite en volume il faut falloir la glisser dans le sac et les airbags y a pas le problème et il y, y a des mousses aussi vous n'êtes pas obligé de les enlever de la sellette en comprimant votre sellette vous allez pouvoir comprimer un peu le, la mousse et luc nous dit euh, merci jérôme tu viens de décrire mon problème avec l'altirando et la planchette qui remonte dans le dos donc euh, voilà. et ouais donc ça, voilà, ça vient du réglage et pense à, à reglisser la planchette sous les fesses et garde ton appui ventral, tu peux solutionner les trucs comme ça. Et puisqu'on parle des, des sellettes, ça, ça touche aussi le secours, euh, puisqu'il puisqu peut être installé Bien dans sûr. la sellette ou en ventrale si c'est un, si un light, hein, une sellette light, comment utiliser un secours ventral en dorsale Est-ce que c'est possible Ah ben oui, ah ben, euh, oui. alors... Pourquoi on choisit un. Alors, on parle de container et de pod. Hein, vous faites la différence. Le container, c'est le l'emballage le, qui est dans votre sellette, en fait. Donc, soit on a un container ventral, soit un, on a un container sous les fesses, soit on a un container dans le dos, globalement dans la sellette. Donc, oui, ton ventral, tu peux le mettre dans ta sellette, dans le dos ou sous les fesses, s'il y a le container euh, dans, dans cette sellette. Je te, si tu prends un exemple, tu prends une sellette de montagne et un string, tu peux mettre ton secours qu'en ventral. Hein, tu n'auras pas le choix. Euh, donc là, c'est pas de question de le mettre ou sous les fesses ou dans le dos, à moins de bricoler, parce que bien sûr, il y, y en a qui bricolent bien. Vous pouvez très bien passer euh, sur un string, se cours dans le dos. Il faut, il faut juste coudre une poche dans le dos, quoi. Une dernière question, Jérôme, on arrive à la fin de ce live bientôt, là ça fait une heure cinquante-cinq déjà qu'on est ensemble, on voit pas le temps passer. Euh... Yves nous dit j'ai acheté un cocon et je me suis retrouvé avec deux élastiques non attachés, j'ai fini par comprendre que je pouvais ne... Ne... ne pouvais pas attraper mon accélérateur après un premier vol. Merci au vendeur qui était censé m'expliquer comment agir sur l'accélérateur. Euh, oui, ben en plus, et, et exactement, mais toi aussi avant quand vous achetez une sellette ou un cocon, mettez-vous sur un portique pour voir comment ça fonctionne, parce que si vous le découvrez en l'air, euh, vous avez tout un emballage autour de vous, des fois on voit moins les réglages et tout, ça devient compliqué en l'air, donc il faut passer du temps sur un portique avec ce type de harnais et cocon, puisque déjà vous n'avez pas de visuel à l'intérieur, donc le portique va vous permettre de régler votre accélérateur et surtout de fixer votre accélérateur au bout du cocon. Et c'est quand vous allez tendre votre cocon avec vos jambes dedans que votre accélérateur va être, c'est un des avantages du cocon, votre accélérateur va être au niveau de votre mollet sous votre talon, vous allez le récupérer très facilement. Il y a, il y a des images où, où en vol dans Wingmaster, j'ouvre le cocon pour qu'on voit ce qui se passe en vol au niveau des pieds. Voilà donc oui, le, le quand as un cocon, c'est passage sur portique obligatoire pour comprendre le fonctionnement du cocon et faire des pré réglages. Barnab nous demande y aurait-il des kits qui permettent de transformer une sellette normale en cocon oui, tout à fait. Ça, j'ai oublié aussi de le dire parce que je pense pas à tout. Oui, et puis on n'a pas montré les images de, des différents cocons. Euh, il existe. Euh, il y a des marques. Je pense à Neo, par exemple, à Cortel, euh, qui propose euh, ou, ou d'autres hein, qui proposent des, des cocons amovibles. Euh, par exemple, vous pouvez acheter, vous pouvez euh, utiliser un string de montagne avec parachute ventral et utiliser un cocon qui va se greffer à l'extérieur carrément en plus et qui va vous permettre de vous protéger du froid, d'avoir les jambes tendues, etc. Donc c'est possible. Donc euh, euh, oui, oui, ça dépend des marques. Ça, vous pouvez faire ça en sachant que à chaque fois que vous allez euh, rajouter quelque chose, euh, c on va dire que je pense que c'est un petit peu moins efficace que le cocon qui est conçu comme un cocon dès, euh, dès le départ, en fait. Là, vous rajoutez un élément, mais c'est possible. Jérôme, tu nous avais préparé des petites photos de, ouais, de hein. différentes Sellettes pour, pour refaire le tour, peut-être, montrer ouais, que... On peut, on peut les regarder comme ça. Donc là, oui, j'ai choisi la gamme Cortel, puisque c'est un spécialiste des Sellettes. Donc ça, c'est une Sellette loisir avec airbag, airbag et mousse. C'est un, un, un mix avec un calpier et le parachute sous les fesses. Voilà, pour vous. Donc c'est les scellettes, ça c'est loisir euh, environ, je pense c'est dans les 4 kilos. Ça, c'est ce qu'on appelle voile de montagne, un string. Ça, on est plutôt dans les moins de 400 grammes, 350 grammes. Donc là, vous avez vu que sur ce modèle-là, euh, il est possible, mais sur ce qu'on voit sur la photo, il n'y a pas de, de protection. Le secours doit être installé. A priori sur le ventral, mais je crois qu'il y a des attaches aussi sur les bretelles. Euh, voilà, ça, ça c'est un, 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 un container ventral avec, on voit les deux élévateurs rouges qui sortent. Donc là, il est monté pour être installé sur les maillons principaux de la voile, hein, avec une poignée qu'on peut tirer ou à droite ou à gauche. Container ventral. Ça, c'est une sellette, c'est un cocon. Ultra light pour les marchés vols, donc avec un, je crois qu'il un airbag sur la colibri intégrale, il n'y a pas de mousse, avec un parachute en ventral, donc ça c'est on a là on a un cocon qui fait deux kg et demi quoi, hein, sans le secours. Ça et ça c'est l'extrême, on va dire quoi, l'extrême. Là on part sur du cocon de compétition, donc là le cocon en lui-même fait dans les sept kilos et demi, donc c'est pas du tout les mêmes objectifs d'utilisation. Voilà. Donc là on a vu un peu. Un une... J'ai voilà. choisi voilà la gamme Cortel Salut Denis, il regarde. Voilà. Euh, une question également de Stéphane. Est-on assuré avec une sellette sans protection, Jérôme Oui, oui, tout à fait. Euh, tu peux voler sans protection. Tu peux même voler avec une sellette que tu as fabriquée. Il voilà. n'y a pas d'obligation, c'est ça hein Non, 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 non. non, non. D'ailleurs, on le voit, les, les sellettes de montagne, il n'y a, je... a, a pas aucune protection. Hein. Et bah, le, les sellettes de montagne, si, si ton objectif est d'être très léger, euh, c'est comme, n'oubliez pas, l'homologation n'est pas obligatoire, même pour un parapente. Hein. Vous pouvez construire votre parapente dans votre cuisine, aller voler avec, hein, avec le harnais que vous avez construit, ça ne pose aucun problème. Après, Et tu seras assuré. Et tu seras assuré, c'est ça la question, hein. c'est surtout l'assurance, est-ce ouais. qu'elle reconnaît le, ça quoi. Oui. Merci Jérôme pour toutes ah, ces questions. Je, alors oui, oui, pour faire la nuance sur oui. l'assurance, je, je l'ai dit sur les lives d'avant, mais là je le redis pour que la, la, la réponse soit complète. C'est pour ta pratique personnelle tu fais ce que tu veux. Par contre, il faut juste que tu sois assuré en responsabilité civile aérienne. Voilà. Après tu choisis le matos que tu veux. Euh, ensuite, si tu es en école, en école, l'école doit te fournir euh, des, doit te fournir euh, du matériel homologué. Hein, tu n'as pas le choix, sellette, voile, compagnie. Euh, si, si tu utilises du matériel d'un club, le club doit avoir du matériel homologué. Si tu vas dans. Voilà, c'est tout. Allez, la toute dernière question, elle vient de tomber. Euh, quelle est la durée de vie d'une sellette euh, nous demande Emmanuel. Bon, alors là. Euh... Euh, une sellette ça peut durer 10, 15 ans etc c'est pareil avant que tu arrives à la fin de ta sellette euh, tu, tu... alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu pourrais changer de sellette je pense pas que c'est au niveau structurel parce que les les, les sangles alors je, je vais nuancer si on prend une sellette euh, une, une une sellette de loisir en fait euh, loisir avec des sangles qui résistent à 3 tonnes euh, c'est de la grosse artillerie tu peux garder ça des années ce qui va pouvoir te qui va faire que tu changes de sellette si si par exemple tu veux un modèle s'il si y a une évolution du modèle au niveau du combat, fort au niveau du poids si par exemple les réglages commencent à bouger tiennent plus parce que les réglages sont indépendants de la résistance de la structure hein. si ça bouge un peu si tu as déchiré ta sellette et que tu l'as réparé plusieurs fois et que tu veux changer etc euh, voilà mais la résistance structurelle il n'y a pas trop de limites je pense qu'il n'y a pas de limite voilà. ensuite par contre sur des sellettes euh, sur des sellettes string qui sont où l'objectif par exemple c'est vraiment le poids et tout là on peut pas on ne peut pas parler de la même durée de vie Quoique tout dépend comme tu l'utilises. Hein. Si tu fais des balistiques avec euh, des vols montagne et tout, tu es assis dedans, euh, tu fais rien de spécial, ça peut durer très très longtemps. Mais là, c'est pareil, votre matériel, on n'a pas parlé des révisions, mais votre matériel, inspectez-le, vous. C'est quand même votre matériel que vous connaissez. C'est vous qui l'ouvrez, c'est vous qui le pliez, c'est vous qui volez avec, c'est vous qui mettez votre cul dedans. Donc, euh, regardez comment votre matériel évolue, ce que vous lui faites, si vous arrivez dans les cailloux, s'il y si a un moment, il y a des barbelés qui se mettent dedans. Donc, suivez. Euh, L'évolution de votre matériel pour voir s'il y a besoin de le réparer, de le faire réviser, de le changer. Merci Jérôme, merci pour avoir euh, répondu à toutes ces questions qui étaient nombreuses aujourd'hui sur le matériel. On a essayé de, de, de faire un, un large panel de ouais. questions et il y, avait, il y en avait pas mal sur les voiles, sur, sur les sellettes et euh, sur, sur tout combien de temps de, de vie pour les mousquetons. J'imagine que c'est la même chose aussi. Euh, bon Jérôme vous répondra euh, en message euh, ensuite euh, privé. Euh, en tout cas, merci de nous avoir suivis. C'est l'heure de l'apéro pour certains. C'est l'heure d'aller manger. Nous, la soupe est prête. Et, euh, on vous remercie de nous avoir suivi une fois, plus, une fois de plus et merci à Jérôme d'avoir répondu aussi bien à toutes ces questions hyper techniques, hyper pointues. On se retrouve pour un prochain live ben, très bientôt. Généralement, on fait ça le mercredi et le samedi. On va peut-être changer voilà. un petit peu les horaires. Ça va dépendre aussi des, des problématiques familiales de chacun. On vous tient informé. Voilà. Et voilà. puis Jérôme, et puis merci. Sur les... Ben merci à tous. Et puis là, il y a un thème qu'on n'a pas abordé qui était intéressant, c'était aussi la révision des voiles, hein, comment on révise les voiles, mais du on coup, en parlera la prochaine voilà. fois. Je pense qu'on est encore confinés pour un petit problème, moment, ouais. on va se retrouver quelques voilà. fois encore. Et puis, euh, n'hésitez pas à partager, à, puisque c'est en rediffusion possible. Merci d'avoir posé des questions, d'avoir été nombreux à nous suivre. Hein, toujours, on vous en, on remercie énormément. Ça nous fait très plaisir. Euh, voilà et, et puis bon, pour y ceux y qui, a, qui a ne connaissent pas il y a d'autres thèmes et pour ceux qui ne connaissent pas allez voir le site Wingmaster uh, wingmaster.top ouais. uh, qui uh, vous parle de cette masterclass uh, unique qui, qui n'existe pas ailleurs uh, de 11 heures de vidéo des, 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 des centaines de conseils de Jérôme et toutes les techniques du parapente et vraiment uh, ça s'adresse à tout le monde et en particulier aux pilotes uh, qui volent depuis longtemps justement pour revoir toutes les techniques uh, du parapente et apprendre plein de plein de petites astuces et se refaire confiance aussi hein, et, et euh, garder affaire. garder à niveau sa pratique hyper important et on finit avec nos deux partenaires euh, nos différents partenaires on va vous faire gagner la partie tous les commentaires que vous venez de nous envoyer euh, le livre les visiteurs du ciel mais vous allez retrouver ces deux livres sur euh, euh ce livre est à gagner donc euh, on tire, je tire au sort quelqu'un tout à l'heure dans, 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 dans les commentaires euh, mais il est en promo sur le site roxoutder.com la paire de lunettes euh, également avec cinq modes en promo à moins 15%. Je vous rappelle notre partenariat avec chaussuresonline.com, entreprise de Haute-Savoie comme la dame, avec le code WING 10% de réduction sur la nouvelle collection. Et puis un petit coucou à Marie chez rscapade.com et n'hésitez pas à aller voir le site. Il y a plein de voyages parapente qui sont en programmation là pour le mois de septembre et le mois de décembre notamment en Argentine. Allez-y. Et puis Jérôme, nous en attendant de se faire un voyage, on va aller se faire une petite bière. Hier, euh, toi du côté de Grenoble moi du côté de voilà. Lyon sans bouger de la dehors, maison euh, dehors les, les arbres sont en fleurs et le soleil ouais, toi tu as sublime. le jardin tu as de la chance quoi ça c'est cool bon ben profitez bien et puis on se retrouve euh, très bientôt pour, euh, pour un prochain live Wingmaster ça sera le numéro 8 là c'était le numéro 7 merci tchuss, à merci. bientôt merci merci à tous